Coucou Megan, j'espère que tu vas bien. Gros bisous, j'espère que ça va. Et bienvenue. Bienvenue à toi. Merci encore hein, pour les créas également. Gros bisous à toi. Je t'envoie plein de bisous pour tout ça. Et j'espère que ça va en tout cas. Donc vous me dites si c'est bon, là je suis passé. Attention, là je suis passé sur du lourd. Hein, au niveau qualité de. Au niveau qualité de du live, je suis passé en 1080p. Aïe, j'ai passé le cap. Je teste. Je vais tester 1080p. J'ai vraiment, je teste comme ça vraiment à l'arrache. Hein. J'ai dit on va tenter. Si c'est parfait pour vous. Si ça drop pas de trop. Si vous n'avez pas trop de difficultés à me suivre, ben je pense qu'on restera peut-être en 1080p. On verra bien. Vous me dites ce que vous en pensez. Si vraiment vous êtes dans la difficulté de me suivre, dans ces cas-là, on descendra d'un petit cran, on repassera en 900p ou 720p, on verra bien. Alors, j'ai modifié également un petit truc pour la cam. J'ai mis un petit fond d'écran. D'ailleurs, ce sont un fond d'écran The Division. C'est ta création que tu as faite, Megan. Alors, c'est un peu dommage, je peux pas réduire la taille. Je peux pas trop réduire la taille, apparemment. Bon, la cam saute encore un petit peu. Ça saute, malheureusement. Voilà, encore tendance un petit peu à déconner. Peut-être baisser la qualité. Je vais voir pour baisser la qualité de la cam, peut-être. Là, je suis en height. Je vais mettre en standard pour voir. Est-ce que si je me mets en standard, est-ce que ça va sauter ou pas? Salut Kelly, j'espère que ça va. T'es tout beau, dis donc. Merci, Megan. Je vais rougir. Tu vas me faire rougir. Je suis quelqu'un de timide. Voilà, j'espère que ça va, Kelly. Que tu vas bien. Que le moral est là quand même, malgré tout. Hein. Voilà. Alors, on est parti pour The Division 2. Je l'ai testé un petit peu en fin de matinée. Il a l'air pas mal. Bah, je connais le principe du jeu. Hein. Forcément, The Division, je l'ai torché comme pas possible. J'ai passé énormément de temps dessus. Le premier, j'ai passé pas mal de temps dessus. J'avais bien aimé d'ailleurs le premier. Hein. Alors le deuxième, on verra bien. Vous me dites ce que vous en pensez également pour la cam. Ce petit fond d'écran, est-ce que pour vous, c'est correct ou pas? Moi je trouve ça assez sympa. Je trouve ça assez joli. Puis c'est histoire un petit peu pour. Parce que vous voyez, ça fait un petit flou derrière. Voilà, quand je bouge un peu la tête, ça fait un flou. Là, je l'ai torché comme un cochon, exactement, regarde. Si, j'ai passé beaucoup de temps sur The Division. J'ai été, il y a un moment, je faisais que ça. Hein. J'ai joué au moins 3 mois dessus. Hein. Tellement que j'ai. Après, je jouais avec quelqu'un, donc je jouais tout le temps avec quelqu'un. On se connaissait pas encore sur Twitch. Hein. On se connaissait pas encore sur Twitch. Je streamais pas beaucoup d'ailleurs, à cette époque-là. Ah, vous voyez, l'image, elle saute encore. Je sais pas ce qui se passe avec ma caméra. Je me demande bien si elle est pas en panne. Je vais mettre en automatique pour voir. En passant l'automatique pour cette cam. Ouais, ça a l'air d'aller à peu près, on va voir. Ouais, ça fait pas mal en fait. Ça fait un style, mais le problème c'est que ma cam déconne quoi. Si je fais Rive of Cher, si je change ça pour voir. Est-ce que ça va faire quoi derrière? C'est le logiciel en fait, Xcam qui est pas stable. Hein. C'est Xcam, explique. Non, pas Xcam. C'est VCam plutôt qui déconne. Voilà. Bah, j'ai mis un peu le fond d'écran comme ça, un peu à l'arrache, Megan. Hein. J'ai pris ton fond d'écran. En fait, le fond d'écran passe super bien sur le logiciel VCam. Mais je sais pas pourquoi c'est réduit. Alors, peut-être. Ah, attendez, je vais peut-être essayer de voir quelque chose. On va profiter, on est là toute l'après-midi ensemble, donc on a le temps de vérifier, faire des petits réglages. J'ai peut-être trouvé pourquoi ça paraît coupé comme ça. C'est peut-être bien la largeur. La largeur. Voilà, ouais. Alors attendez. Non, c'est pas ça.
Est-ce que c'est pas réglage dans la mise en page de la cam? Verrouiller, améliorer les redimensions, garder les proportions. Les proportions, je vais arriver à le dire. Non, c'est pas ça non plus. Alors attendez, je vais essayer de voir un peu. Recardage automatique. Ah voilà. Ouais, alors le problème c'est, vous voyez, ça va prendre beaucoup de place. Ça c'est aussi, alors là on voit bien le fond d'écran, mais ça prend de la place. Ça prend beaucoup de place. C'est ça qui est plutôt embêtant, à moins de le réduire ici. Alors, peut-être là. Ah, voilà, on est mieux là. Voilà, c'est parfait, j'ai trouvé. Par contre, ma cam paraît un petit peu plus petit. Je suis tout petit d'un seul coup. Salut avant, j'espère que ça va, bienvenue. Ça va, on est parti pour découvrir The Division 2. On va tester ça. C'est vrai que ma cam, du coup, peut-être rezoomer un peu sur... Est-ce que je peux rezoomer un tout petit peu pour voir le zoom qu'elle contrôle caméra? Ouais, le zoom. Oh, par contre, le son, il saute. Bizarre, ça. Oh, qu'est-ce qui se passe? Retour bureau, d'accord. Yes, génial, ça commence bien. Ça a planté. Oh, ah, j'aime bien le message d'Ubisoft. Oh, ah, ça a planté. J'adore. J'adore le message d'Ubisoft. D'accord, ça commence déjà. Ah, les fameux retours bureau. Ah, c'est pas possible, ça. Ah, c'est bien mieux, ouais, je pense que je vais... Et je vais juste rezoomer un peu sur ma cam. Voilà, je pense qu'on est un peu mieux, là, non? Oui. Voilà, c'est un petit peu mieux. Bon, c'est pas parfait. Alors, attendez. Ouais, si je zoome un peu de trop... Je vais plus être dans le fond, dans le bon, dans le cadre, on va dire. Par contre, pourquoi je suis à moins 5, là? Pourquoi il m'a mis à moins 5? Oh là là! Ça n'a pas l'air d'être bon, par contre. Bon, bah c'est les jeux Ubisoft, hein. Les jeux Ubisoft qui plantent comme ça. Ah, d'accord, avant la bêta n'est pas stable. D'accord, ok, bah Ubisoft sort encore des... Bon, c'est que des bêta, on va pas commencer à critiquer la... C'est une bêta, faut se dire que... Ah ouais, ça rend super bien la... Ta bannière, Megan. La bannière, l'atelier de Megan rend super bien en bas à droite. C'est pas trop grand, est-ce que vous me dites si c'est trop grand, si ça gêne? Ça a l'air d'aller. Ça a l'air de passer. Non. Régler comme ça peut-être, un peu comme ça. Voilà, on va laisser la cam comme ça, on verra bien. Ça devrait être bon. Ouais, voilà, on va pas commencer, je veux dire... on va pas apporter des critiques à ce sujet-là. C'est qu'une bêta, forcément. Hein. Chaque jeu a ses défauts au moment de la bêta. Hein. Mais je pense qu'ils vont certainement faire ce qu'il faut pour pouvoir... régler ces soucis de... Après, c'est peut-être un souci de pilote également. Ça peut provenir de mon PC. Hein. Mon PC n'est pas tout le temps stable. Alors, t'as vu, Megan, j'ai pris un beau barbu. J'ai pas pris de femme cette fois-ci. J'aurais pu prendre une femme, mais là, j'ai pris un barbu. Voilà. J'ai dit, allez, je vais me faire plaisir, je vais prendre le barbu. Tu vas sur Anthème avant? Bah moi je vais certainement profiter d'y rejouer, peut-être pas ce week-end parce que je vais quand même me mettre à fond sur The Division. Histoire de le tester, savoir si je vais vraiment l'acheter ou pas. Donc il y aura une grosse partie de mes lives ce week-end sur The Division. Faire peut-être un peu... Safe area entered. Du Anthem, peut-être dimanche, je sais pas encore, on va voir un petit peu ce qui est prévu au niveau du week-end. De toute façon, ma femme travaille, donc il y a grande chance que je vais streamer. Alors, est-ce que le jeu rend bien? T'es encore au boulot, d'accord. Bah, bon courage à moi, en tout cas. Bon courage à toi, puis après c'est week-end. Voilà, encore une dernière ligne droite. Ah oui, d'accord, tu relances Anthem. D'accord, pas de soucis. Bah bon courage.
Allez, on va faire le tour. Là, on est à la Maison Blanche. Bon, j'ai joué un petit peu ce matin, hein. Enfin ce matin, en fin de matinée plutôt. Hein, histoire de tester, faire le didacticiel surtout. C'est surtout ça, faire le didacticiel, les explications, comment fonctionne le jeu. Donc là-dessus, il n'y a pas eu trop de difficultés, étant donné que le premier, j'ai eu l'occasion de le faire. Voilà. Ouais, il est beau le jeu. Hein. C'est un beau jeu, franchement, il est... Il est pas mal, c'est les jeux Ubisoft généralement, ils travaillent bien au niveau, niveau qualité graphique, ça envoie du lourd. Hein. Voilà, maintenant il n'y a plus qu'à souhaiter que ça reste stable et puis qu'ils puissent améliorer le jeu, mais c'est vrai que graphiquement, vous voyez, il y a un peu de lag. Il y a un tout petit peu de lag, alors peut-être que j'ai mis pousser un peu trop le PC, je sais pas. Ah, c'est pas mal cette animation là. Alors on est encore sur Washington, hein. C'est ça, hein, c'était Washington. Le premier était à Washington, il me semble. Oh, j'espère que je dis pas de conneries. Sinon, je vais me faire tirer les oreilles. Ou je vais me donner un coup de fouet, si c'est ça. Voilà. J'ai fait le premier, je m'en souviens même plus dans quelle ville c'était. Est-ce que vous pouvez me confirmer que le premier était bien à Washington? Voilà. Il me semble. C'était New York, aïe. Ah bah coup de fouet, allez, c'est parti. Voilà, un petit coup de fouet parce que j'ai dit une bêtise. C'est à New York. Donc là, celui-là, il est où alors? Pourquoi j'ai dit Washington? Je comprends pas. J'ai pas compris. Pourquoi j'ai dit Washington? J'ai dû regarder une série, à mon avis, que ça se passait à Washington. Et, ah ouais, d'accord, on est 6 mois après le premier, d'accord. Salut Arnaud, j'espère que ça va. Ah, donc j'avais raison. Ah, ça me rassure. Donc le deuxième se passe bien à Washington. D'accord. On est 6 mois après le premier. Ok, merci Avran. J'allais dire pourquoi j'avais confirmé Washington, mais j'avais raison alors. Mais bon, il y a des moments où je dis des conneries, donc... j'espère que ça va Arnaud. Est-ce que vous arrivez à me suivre correctement? Parce que là, je suis passé en 1080p. Ah oui, ouais, il y a 2 semaines, d'accord. Bah, j'ai pas pu le tester, moi avec mes pannes internet, j'ai pas pu le tester. T'es fatigué, Arnaud? Ah, repose-toi surtout. T'as encore du mal à te remettre de ta grippe. D'accord, Megan, merci pour le retour. Bon, bah, on va rester comme ça sur du 1080p. Il n'y a pas trop de pixels, de toute façon, du fait que j'ai monté en résolution. Parce que quelquefois, ça peut créer des pixels également. Et est-ce qu'on peut choisir, justement, encore autre question avant de lancer la mission? Est-ce que vous pouvez choisir la qualité du live? Parce qu'il y a des moments Twitch le fait, il y a des moments Twitch ne le fait pas. Est-ce que pour vous, vous avez possibilité de choisir de passer en 720p ou en 480p? Je vous pose beaucoup de questions, mais... Déblocage des compétences, amélioration du refuge théâtre. Oui, on peut le faire, d'accord. Ah, ça va. C'est pour ça que je suis passé en 1080p, du coup. Oh, bah c'est parfait. D'accord, merci avant. Ah bah c'est impeccable, ça me... Ah ouais, là, ça c'est la Dark Zone. Ça, je m'en souviens, le logo là, c'est la Dark Zone. Là on est au niveau 4 et 8. Niveau 20. Ouais, donc ça n'a pas changé par rapport au premier. Hein. Dark Zone également ici. On a une Dark Zone là. Ah ouais, donc c'est bien ça. C'est ce que Arnaud m'avait confirmé hier. Il y a bien 3 Dark Zones. Ok. Donc là on est bon. Maison Blanche. Ouais, en plus c'est vrai que la Maison Blanche c'est à Washington. Hein. Donc obligatoirement. Ça pouvait pas être à New York. Hein. Ah bah c'est impeccable alors. Allez on y va. C'est parti. Alors par contre au nouveau stick c'est pas top top. Il manque un petit peu. Un petit délai entre le mouvement de la caméra. Ouais, je vois peut-être pour monter un peu la sensibilité. Parce qu'il faut savoir que sur la manette Nacon il y a 4 profils là. Tu as 4 profils pour pouvoir régler la sensi. Donc je vais tester avec le premier profil, on verra bien. Alors ici pour sortir.
Nouveau service réserve, déployer la corde de rappel principal, déployer la corde de rappel secondaire. D'accord. Tu connais pas le jeu, Megan? D'accord. Oui, monter mes niveaux. Ouais, c'est ce que je vais faire peut-être. De toute façon, là, je l'ai testé ce midi. Il y avait des. Comment ils s'appelaient déjà les ennemis? Je sais plus, il y a un nom particulier. Et bah, j'ai profité de les mettre à terre pour récupérer leur truc, hein, leurs accessoires. J'ai fouillé un peu, il y avait des sacs à dos également. Bon là je pense qu'on est bon, hein. On va tester ça. Ah ouais, c'est vrai que là si on part dans du niveau 4 il me semble, hein. Je suis niveau 2. Voilà, d'accord, je comprends. Ouais, ça, on a du vert. Ouais, c'est le système des couleurs, vert. Il y a différentes couleurs au niveau des armes, au niveau des. Si mes souvenirs sont bons, il y a du vert, il y a du violet, du jaune. Bon, je sais plus. Je pense que ça doit être les couleurs qu'on peut rencontrer. Par rapport au premier, je pense que c'est ça. Il me semble. Je me suis fait tid. Ah bah ouais, je m'en doute, Arnaud. Bah, il va pas être simple à jouer, hein, au début. Alors, ici, on est sur quoi? Du niveau 2. Bon, ici, on va pouvoir démonter. Est-ce qu'on peut démonter? Non. On peut s'en équiper. Là, on peut le démanteler, par contre. Hein. Alors, on est sur quoi? Là, je suis équipé de quoi, en fait? Hein. On peut comparer. D'accord. Donc, ça, c'est pas mal. Alors, ce système de comparaison, j'adore. Hein. C'est dommage qu'on peut, dans tous les jeux, quand tu commences à choisir des armes, tu peux pas faire ce principe-là. Essayer de comparer, parce qu'il y a des moments, c'est pas tout le temps simple. Et là, il est vraiment bien fait. Parce qu'il explique les dégâts de santé, le CPM, les dégâts, la charge. Vous voyez, si je prends cette arme-là, je suis à moins 6 et à moins 55. Donc celle-là, on va pouvoir le démanteler. Voilà. Voilà, tout simplement. Là, on est bon. Bon, cette arme-là, je peux pas la démonter parce que c'est ma toute première arme, il me semble. Voilà, donc là on va quitter. Donc il faut que j'essaie de faire retour pour voir. Là, ici apparemment on peut changer le gilet pare-balles. Ouais, donc là on a une protection de. Je suis protection 463. Là on peut prendre 485. On va prendre ça, si j'ai bien compris. Ah, on peut déplacer vers réserve. C'est quoi ça, déplacer vers réserve? C'est le gros coffre où on stocke tous nos accessoires, il me semble. Ça doit être ça, à mon avis, hein. On va s'en équiper. Voilà. Et celui-là. Bon, on va le déplacer vers réserve, on va voir un peu. Ah, on est bon, je pense, hein. Je pense que ça doit être ça. Ça, c'est stocké dans un coffre, il me semble. Donc, ici, on est sur quoi? Le holster. Donc, ici. On peut le démanteler, le holster. Bah, je connais le principe du jeu, donc j'ai pas trop à chercher. J'ai encore un petit soupçon de mémoire sur ce jeu-là. Il y a encore des petits flashs qui font, qui me rappellent le premier. Hein, donc, j'ai pas trop, à la limite, trop galéré à découvrir le 2, forcément. Tant que j'ai énorme. Oh non, ça plante. What? Ah ouais, mais non, mais non, mais sérieux. Oh, maintenant c'est l'antivirus qui me. Mais c'est pas possible, cet antivirus qui se met à. Il veut détruire des fichiers, lui. Mais c'est pas possible. Ah là là, c'est pas possible. Bon, pourtant j'ai mis un programme exprès pour éviter tous les programmes inutiles qui tournent derrière Windows. J'ai un programme exprès pour les stopper. Bah, mais sûr, sauf l'antivirus, forcément l'antivirus, faut que je le laisse, hein. Étant donné qu'on joue en réseau, on ne sait jamais. Et maintenant, c'est mon antivirus qui fait les siennes. Bah, c'est génial, hein. Alors, est-ce qu'il va redémarrer? Est-ce qu'il va redémarrer ou pas? Du coup. Ah, d'accord. Ouais, mais quelquefois on voit pas tout, Arnaud, hein, quand tu joues. C'est vrai que le fait de voir, de jouer, et quand tu regardes en live, certainement tu remarques des choses que tu peux pas voir pendant que tu joues, c'est normal. Hein.
Yes, j'ai pris des screens de ton perso. Ça pourrait servir pour une future créa. Ah, t'as fait une capture d'écran, d'accord, Megan. Bon, désolé pour ces retours bureau. Hein. Je suis désolé. C'est ça l'informatique, hein. Alors. En plus, j'ai ma cup qui déconne un peu, là. Bon, on va recommencer, hein. On continue. Qu'est-ce qu'on va... Ça va être quoi, après? C'est vrai que c'est galère, hein. Ce Windows, il y a tout le temps plein de programmes qui tournent, qui sont inutiles. Donc, j'ai mis le programme qu'il faut pour éviter ça, quoi. Pour pas prendre trop de ressources. Et bon, l'antivirus, ça j'y peux rien. Pourtant, l'antivirus, c'est un mode jeu. C'est-à-dire qu'il s'active automatiquement dès que tu mets un jeu, le mode jeu s'enclenche au niveau de l'antivirus. Pour gagner en performance, forcément. Entering safe area. Ah oui, c'est ça la réserve. Voilà, donc j'avais bien raison. Donc en principe, je vais retrouver mon arme dedans. D'accord. Donc là, on est sur quoi? Ah ouais, on était parti là-dessus. Je pense qu'on était parti là-dessus, voire pour améliorer tout ça. Donc là, on est bon. L'élégance est niveau 1. Les genoulières. Ça, c'est quoi déjà? Ça, ce sont les modes. Ah oui, les modes, les fameux modes. Ouais, je m'en souviens. Ici, au niveau pistolet, on a que ça. En arme secondaire. On est sur quoi en arme secondaire? T'as fini l'aventure principale d'Anthem, Kenny? Ah, GG. GG à toi. Je suis pas prêt de le finir, moi. Avec tous les nouveaux... Les jeux... En plus, j'ai acheté Resident Evil 2, donc il va falloir que je fasse du Resident Evil 2 également. Il y a de quoi faire, là, février... En mars, là, il y a de quoi s'amuser. Il y a de quoi se faire plaisir. Hein. Bon, là, on est bon, hein. Ça, je peux pas le démanteler. Je peux pas le mettre dans la réserve. Non. Non plus. Donc ici on est sur une arme de niveau 1. On va prendre cette arme là, qui est bien meilleure en précision. On peut comparer, je pense, hein. En dégâts aussi également. Par contre le coût par minute, le CPM est un petit peu plus bas, mais c'est pas énorme. Mais c'est pas grave, on le prend quand même. On s'en équipe. Voilà. Et là, est-ce qu'on peut le démonter? On peut pas. Plus de 29 heures, d'accord. Ah ouais, 29 heures, j'en suis loin, moi. Hein. J'en suis encore très loin. Hein. J'en suis très loin, hein, mais moi, je suis pas pressé. Hein. Puis vu, étant donné que j'aime bien changer de jeu entre deux, et puis faire des découvertes comme aujourd'hui, le fait de découvrir la bêta, bah moi, j'avais envie de le tester tout simplement, voir un petit peu, voir par la suite si je vais l'acheter ou pas, quoi. Oui, sur Xbox, Kenny. Mais c'est dommage qu'il n'ait pas Play Anywhere d'ailleurs. Hein, en thème, mais bon. On va y venir. Je ne sais pas si vous avez vu des articles un petit peu là. Certains articles qui traînent là sur Twitter. Comme quoi, apparemment, ça va peut-être se faire. Bah, le Play Anywhere, le fameux Play Anywhere. Hein, pratiquement sur tous les jeux Xbox, on va pouvoir jouer avec les joueurs PC. Ça va venir de toute façon. Hein. De toute façon, je pense que. Peut-être pas dans l'immédiat, mais c'est en projet, je pense. Hein. C'est en projet. GG pour ton level, Ardo. Level 61, GG. Allez, c'est parti. Je pense qu'on est bon là. On a fait ce qu'il fallait. Parce que j'ai rien oublié au niveau matériel. Pour sortir. Elle est où la sortie? Je pense que c'est ici, non? Même pas, oui. Voilà. Alors, le Grand Washington Hotel, donc il faut que je me rende au Grand Washington Hotel dans 2 km. Prochain déblocage d'amélioration. Le théâtre. Alors là, on est sur quoi? Consulter la progression. Ah ouais, d'accord. Coopération, solidarité, aspiration. D'accord. Voilà. Level 61, ça fait déjà, ça fait... Edge,
Come here. Oh, ça fait un moment que tu me suis, Arnaud, hein, plus de 2 ans à peu près, hein. Bon, bien que j'ai pas fait 2 ans de stream malgré tout, il y a eu des interruptions entre deux. Ouais, ça fait un peu plus de 2 ans. Look who it is. Allez, c'est parti. Ici, on a quoi? Ah, c'est le marchand, d'accord. Alors, au niveau... j'ai 600, d'accord, là, c'est pour acheter. Bon, pour l'instant, on va rien acheter, hein. On peut vendre, qu'est-ce qu'on peut vendre? Rien du tout. On a du vert, hein. Pour l'instant, on démarre en vert. Ouais, je pense que ça doit être vert, il me semble, les couleurs. Jaune, et le plus haut, je pense que c'est du violet, il me semble, hein. J'espère que je dis pas de conneries. Thanks for the deal. 3 années? What? Ah oui! Ah ouais, ça c'est beau, ça. Oui, oui, oh, ça c'est beau, ça c'est beau. Ça c'est beau quand même, hein. 3 ans déjà? Ah, j'ai pas 3 ans de stream, hein. J'ai pas streamé pendant 3 ans, mais ma chaîne... ça fait déjà 3 ans. Megan, 191 jours. Ça passe vite, mais c'est là qu'on voit que ça passe... Ça passe très vite, c'est incroyable. 3 ans, Arnaud. C'est fou, hein. Je pensais que j'étais 2 ans, mais après, vous allez me dire, moi, avec ma mémoire... C'est comme hier, hein, j'ai dit que ça faisait 2 ans que j'étais en... Comment dire ? Que je ne travaillais plus, c'est depuis 2010 que je ne travaille plus. Moi j'ai dit 2 ans, je pense que j'ai confondu entre mon invalidité et mon arrêt. Ça va faire depuis 2010 que je ne travaille plus, hein. Voilà. Je sais pas pourquoi hier j'ai été dire que ça faisait que 2 ans, alors que c'était complètement faux. Voilà, voilà, donc j'ai confondu entre mon invalidité et puis comment dire, et mon arrêt de travail, voilà. Bon, par où je passe du coup? Passer par où du coup, Zi? Alors, elle est où la sortie? Peut-être ici, non? Always nice to check in. Oui. Pour moi, oui, t'es le plus ancien, Arnaud. Je pense entendre le plus ancien. Bah, je le vois plus. Non, il passe plus, malheureusement. Je sais qu'il a encore sa chaîne Twitch, mais je sais pas d'ailleurs ce qu'il est devenu. Bon, après, c'était quelqu'un, peut-être au niveau professionnel, il a dû passer à autre chose. Oui, pour moi, t'es le plus ancien, hein. Il n'y a pas de doute. Hein. C'est un peu pour ça que je t'ai mis en rôle VIP aussi. Hein. C'est une façon de te récompenser, quoi, le rôle VIP. Puis ça vous permet de gagner un peu plus de monnaie également. Ah oui, voilà, c'est ici. On est parti. Allez, on va aller visiter. Sortez de la zone de sécurité. Ok, monument. Hey, wait up. Alors, je m'attendais à une. Je sais pas, comparé. Je vais vous donner tout de suite mon avis. Hein. Graphiquement, comparé à The Division 1, moi je le trouvais beaucoup plus beau. Je trouvais le 1 beaucoup plus beau au niveau claque graphique, tandis que là je suis un petit peu je reste un petit peu sur ma faim au niveau je vais pas dire qu'il est pas beau le jeu, mais je m'attendais à quelque chose de bien plus beau. Alors peut-être je suis exigeant, hein. Ou peut-être qu'ils vont le retravailler au moment de la sortie, parce que je me souviens j'avais testé la bêta de The Division. Il a envoyé une claque, mais c'était quelque chose de super joli, super bien travaillé au niveau de la qualité graphique. Et au moment de sa sortie, bah, ils avaient complètement retiré, on va dire, 20% de qualité du jeu. Voilà, alors là, peut-être là, c'est la bêta, peut-être ils vont faire le contraire, je sais pas. Possible, on verra bien. Peut-être au moment de sa sortie, il sera peut-être nettement plus beau. Mais personnellement, je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus joli. Voilà, allez, on récupère. T'as oublié de mettre les cordes? Quelles cordes? Les cordes de quoi, Arnaud? J'ai pas capté du coup. Alors là, on est niveau de l'ennemi 2, donc ça va, je suis niveau 2.
trouver un agent. Alors, un objet d'équipement, déblocage de compétences, amélioration de refuge. Sélectionner. Voilà. Les cordes de guitare. Ah, bah, bon, c'est pas grave, je referai une fois que je serai à la base. Ah ouais, c'est une mission, ça. What? C'est quoi, ça? On a du monde, là, les amis. On a du mouvement. Alors, la visée, c'est pas génial, malheureusement. Je prends cher. C'est en train de braquer une banque, je pense, ou je sais pas quoi. Ok. Est-ce qu'il est mort, lui? Il est parti à l'intérieur. Oh! Non, pas ici. Non, 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 non. Alors, par contre, là, pour me planquer, il faut que je m'habitue. Prends une trousse de soin, s'il te plaît. Trousse de soin, c'est ça, je pense. Voilà, on est bon. Alors, je peux utiliser un drone. Je peux utiliser un drone et également une tourelle. Une petite tourelle qui permet... tu la positionnes à un endroit bien spécifique quand tu as trop d'ennemis. Et cette tourelle t'aide tout simplement à éliminer les ennemis. Voilà. Dans la base, ouais, d'accord. Bon, j'irai voir après, Arnaud. Mais merci, merci de me le rappeler. N'hésitez pas à me le rappeler, d'ailleurs, si je retourne à ma base. Bon, histoire de le faire, quand même. Ah, t'as fait un petit live, Megan? D'accord. Ah oui, bah ça, personnellement, même ça, hein, les lives créatives sur la création, ça attire du monde. Hein. Alors, passage à l'arme secondaire pour alterner entre arme principale et arme secondaire, touche Y. Alors, ouvrez la porte. Ok, alors, on y va. C'est parti. Alors par contre, je vais essayer de voir pour changer la sensibilité du joystick. Voir si ça serait pas un peu mieux comme ça. Ok. Non, par contre, je sais plus la touche pour m'abaisser, c'est quoi? Je m'en souviens plus. J'ai déjà zappé. J'ai pas le niveau. Bah c'est pas une quête de niveau 2, mais Arnaud, j'ai pas fait attention. J'ai pas du tout fait attention. Bah attends, bah on va essayer, on va voir. Hein, si ça pique de trop, bah on abandonne. Hein. On la fera pas, tant pis. Hein. Alors là, j'ai récupéré un holster de 385. C'est équipé. Alors qu'est-ce qui... Non, il est apparemment, il est pas aussi bien. Donc ouvrir, tout prendre. Allez, on prend tout. On va tout prendre, on verra bien. On va tenter cette mission. Si j'y arrive pas, tant pis. Hein. Mais j'ai pas fait attention. Franchement, j'ai pas fait attention. Hostile radio intercepted. Alors, on va se planter là. Alors. Voilà, là j'ai balancé mon drone. Vous voyez, j'ai balancé un drone. Hop. Ah si, ils sont au niveau 2, donc ça va. Ça devrait passer. Après, il faut voir s'il n'y a pas un boss. Alors, attendez. Ça tire de où? Par contre, là, je prends où? Je prends les dégâts de où? Appuyez. Ce serait bien que tu vises la tête quand même. Voilà. Quand tu vises la tête, c'est plus efficace. Voilà. Ça va déjà mieux là. Alors. Par contre, au niveau vie, on est à peu près bon. Ouais.
Laisse-le voir par lui-même. Mais... Oui, voilà, oui. Mais franchement, tu devrais... Bah, après, tu c'est toi qui vois, hein, Megan. Mais tout ce qui est créa, ça attire énormément de monde, hein, au niveau de Twitch. Hein. Et c'est, moi, je trouve ça vraiment génial que tu puisses également faire des lives sur ça, quoi. Je trouve ça superbe. Alors, ici, on est sur quoi? On va fouiller. Alors, ça, c'est pour... alors, attendez... Là, on est bon, on n'a rien. On fouille, hein, comme d'habitude. Hein. S'il y a des petits trucs à récupérer, on le fait. On va pas se gêner. Par contre, je sais plus. La touche pour se baisser, c'est où? C'est quoi, la touche pour me baisser? Je sais plus. Non, c'est pas ça. Ah ouais, ça c'est pour changer les armes. D'accord. Oui, live créa, bien sûr, Megan. Bien sûr. Mais même à la limite, tu vois, quand tu fais une création, soit pour ma chaîne ou pour quelqu'un d'autre, pourquoi pas le faire en live? Voilà. Bon, c'est vrai que je sais pas si ça demande énormément de concentration parce que c'est vrai, on a beau dire, hein, quand on stream... Quand on joue à un jeu, on stream en même temps, on n'a pas la même concentration que de jouer comme ça, un petit peu isolé. Voilà, ça n'a rien à voir. Moi, personnellement, je vais certainement mieux jouer quand je ne suis pas sur Twitch que quand je suis sur Twitch. Mais ça, c'est un peu normal. Moi, j'ai quand même pas mal de difficultés à suivre. On a quoi là-bas? Oh, on a un boss là-bas, bout. De niveau 2. Ici, on fait notre repère. On a un petit boss là. Bon, on va voir, on va tenter. Hein. On a un petit boss. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, un boss ou pas. Voilà. Ils sont nombreux, hein. Comment je vais les attaquer, moi? Je sais pas du tout comment faire. Allez, on y va. Faut bien les remettre en place. On a du lourd, hein. On a du lourd, les amis. Là, ça va piquer. Ça va piquer grave. Non, reste là, s'il te plaît. Ah, j'ai plus de balles. Alors, on va éliminer les petits pour... un peu... Oh, j'ai pas d'angle de tir, là. Allez. Ah, j'ai mis la petite tourelle. Vous voyez, j'ai déposé une petite tourelle, voilà, elle est juste là. Et ça, c'est pas mal. Alors, ils vont essayer de la détruire. Ça va être pas mal, ça. Alors, ici, lui... Ah, la visée, elle est pas bonne, hein. Ah, visée pas bonne. On a une grenade ici. Ah, pas bon. Voilà. Alors là, pour l'instant, au niveau de ma tourelle, elle fonctionne encore. Là. Tout prendre. On a une grenade là, non? Oui. Alors. Ah! Recharge avant! Recharge obligatoirement avant. Allez, boum! Lui va prendre feu. Ah, je kiffe. Je kiffe déjà le jeu. Alors, j'ai l'habitude de parler et de faire des créas en même temps. Bon, donc ça va alors. Ça va, Megan. Ouais, donc à la limite, ouais, ça serait plutôt pas mal, hein. Pouvoir faire ça. Et puis, ça te permet également, pourquoi pas, d'avoir des avis des viewers. Les avis des viewers, pourquoi pas. Bon, il est passé où, mon petit boss? Là, il y avait un boss, pourtant. Je pense qu'il a eu peur de moi, il est parti ailleurs. Bon, tout se passe bien. Alors, il faut que je revérifie mes touches, par contre. Ah, il faut que je revérifie mes touches pour les grenades. Le drone, je sais comment ça fonctionne. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est pour taper. Ok, ça c'est pour se planquer, voilà, ok.
Alors, est-ce qu'il y a du drop ou pas? Non, ça a l'air de... Bah, personnellement, il y a longtemps que j'ai pas streamé en 1080p. Hein. J'ai plus souvenir de l'avoir déjà testé en 1080p. Ça a l'air de fonctionner à merveille. Je suis bien content en plus. Le PC de stream a l'air de tenir. Ça a l'air d'aller. On va parler trop vite. Hein. Généralement, il y a tout le temps des bugs. On va pas aller trop vite. Hein. Le seul truc qui risque de déconner, ça sera le PC de jeu, sûrement. Hein. Il y a grande chance. Ok. Oh, on a du monde là, les amis. Là, on a du people. Alors, il y a des kamikazes apparemment. Je sais pas si on peut faire ça comme ça. Mais vous voyez une jolie demoiselle qui fonce sur toi. Alors, ouais. Par contre, je prends des dégâts là. Là, on prend des dégâts. Hop, voilà. Je tire à côté donc c'est pas bon, je perds des balles. Non, pas là, pas là, ici, voilà. Allez. Non, plus personne, si, encore quelqu'un, mais il se plante comme moi. Ouais. Moi je prends cher là. Ça passe tout seul, hein. Bah, c'est parfait, c'est vraiment con. Ça fait plaisir. Hein. Ça me fait plaisir de voir que ça passe bien. Ah. Le son est bon. Bah, j'ai un bon retour. Pour une fois, j'ai un bon retour au niveau du son. Par contre, là, ça m'énerve. Ça va me gaver un peu parce que j'arrive pas à les avoir. Planque-toi là. Planque-toi là, ici. Enfin, combien on peut... La grenade, c'est quoi déjà? Comment on fait pour la grenade? Non, c'est pas ça. La sortie de la tourelle là. Le drone. J'ai sorti le drone et la tourelle. Ah, j'ai vu la totale. Ah, je sais plus les grenades. Je me rappelle plus. On se souvient plus. Bon, c'est pas grave. Alors, pour sauter, c'est quoi déjà? C'est pour les armes. Ah voilà, c'est B. D'accord. Ouais, par contre, pourquoi j'ai un point là? Non, c'est pas ça. Ah, c'est pour déposer la tourelle peut-être. Ok. On fait le tour. On va voir un petit peu ce que je peux récupérer. Ah, j'ai trouvé ce drone assez intéressant. Je m'en souviens plus si dans le premier il y était. Oh, des petits lags. Oh, ça lag. Pas bon ça. C'est la guerre, ça va péter. Ça va péter, c'est sûr. Alors, vu les finances de Studio Dangland 2... Ah bon? Ah, il va pas voir une suite sur Dangland. Ah, là, par contre, là, c'est une mauvaise nouvelle pour moi. Hein. Ah purée, j'avais adoré le premier en plus. Et c'est... C'est sûr, Arnaud, qu'ils vont ils vont fermer. Oh, c'est vraiment dommage. Ce jeu-là, moi j'avais trop kiffé ce jeu. Je me rappelle plus comment on fait pour désactiver le drone. Non, c'est pas ça. Bon, bah tant pis. Hein. On ramasse. C'est quoi en fait ça? De soins. Ici on a un coffre, inventaire. Ah, oh, mon inventaire est plein. Ah, oh, bon, d'accord. Tu connaissais vraiment Megan? Non, je pense qu'apparemment tu m'avais dit que tu connaissais pas. Hein. C'était sans plus quoi. Alors ici peut-être mettre la tourelle là. Ouais, mais qu'est-ce qu'elle fait, elle? Qu'est-ce que tu fais là, toi? Non, mais... Ouais. Bande de folle. Ah, là, ça va piquer, par contre. Là, ça va piquer, les amis. Je me préoccupe de savoir comment je vais faire pour mettre ma tourelle et je me fais avoir. Alors...
Donc là peut-être. Ici, il y en a un là. C'est le moche, c'est parce que je sais pas pour les grenades. Ah, attention. Grenade ici, là. Hop, on se planque là. On prend une trousse de soin. Voilà, une trousse de soin parce que... Ah, mais il recharge. Tu veux tirer, mais tu recharges pas. Ça, c'est dommage. Hop. Voilà. Je sais pas de où ça vient. J'ai un petit peu perdu là, je réfléchis pour mes trucs de grenades. Voilà. J'ai du mal à la viser, j'ai vraiment du mal. Oh lui il a pris cher lui. C'est du violet là. J'ai eu du violet. De boss à mon avis. On se souvient plus à quoi ça correspondait. Ça fait pas très français ce que je viens de dire. Les couleurs comme ça au niveau des ennemis violets, je sais plus ce que c'est. Je vous reprends après, hein. Ne vous inquiétez pas. Je reprends vos messages après. Parce que là, on est dans le feu de l'action. On a du monde. Oh. Qui a pété comme ça. Ah voilà, j'ai trouvé pour les grenades. Yes, c'est croix gauche. C'est la croix gauche, d'accord. Alors faut pas oublier, vous avez vu, il y a des trucs qu'on peut... Il y a des bidons d'essence qu'on peut utiliser également. Ça, faut bien regarder l'environnement. Oui. Où je prends cher là, non? Tiens, toi t'es mort, on n'en parle plus. Voilà. Aïe. Aïe. Plus efficace quand tu lui revises la tête comme... Ah, recharge. Que ce soit automatique, ça recharge obligatoirement. Ça devient un geste automatique au moment de tirer. Voilà. Là on est bon les amis. C'est nickel. Alors, je reprends, je décolle. Merci avant, merci d'être passé en tout cas. Bon courage pour le boulot, hein. Bon courage, je pense que ça sera. Je sais pas à quelle heure tu termines. Mais bon courage à toi et puis bah, bonne soirée surtout. Hein, si on ne se retrouve pas sur Twitch, bon week-end. Voilà, et à bientôt. Voilà. Merci déjà pour votre présence. Hein. Bon, on n'est pas très nombreux. Ouais, il faut pas s'attendre malheureusement à avoir énormément de monde. Je pense que pour se faire voir sur Twitch, ça va être la galère. Je pense qu'il y a énormément de grosses chaînes le streamer ce jeu. Mais c'est pas grave. Ce qui est plus important pour moi, c'est que ce soit les habitués soient là. Vous participez au live. Et puis bah, on verra bien. Il y a du monde, c'est bien, je serais bien content. Il n'y en a pas, bah, tant pis. Voilà. Tant pis, on va faire comme ça. Hein. Voilà. Ah ouais, bah faut aller en bas. C'est vrai, il y a le logo là. Mais bon, je sais pas si je peux éventuellement récupérer certaines choses. Non, je ne pense pas. Ça a l'air d'être bon. Bon, on y va. Rejoins le toit. Ok. Ah, mais cette cam qui déconne encore. C'est chiant ça. Cette caméra qui déconne. Je sais pas pourquoi ça fait. Ah oui, en même temps justement, Megan, on parlait de bannière tout à l'heure. Est-ce que tu... Ça serait possible de refaire également une autre bannière. Voilà. J'ai tellement de choses à dire que ça, je bafouille. Pour l'ami Dirt, concernant son site chasseur d'images. J'ai envie de la changer également. Voilà, pourquoi pas... Enfin, attention, hein, y a pas d'urgence. Hein. Et ça serait bien de pouvoir... éventuellement, pourquoi pas la changer. Ça serait sympa pour lui. Il y a des EGV. Pour toi. On passe ici, voilà. Oh, il est joli le jeu quand même. Hein.
Il est pas mal. Allez, on va essayer de tirer. Là, ici, on a un tonneau. Ici, voilà, on va tout faire péter. Et ça, ça prend feu. Encore une fois, j'ai pas rechargé. C'est dur à voir celui-là. Changer mon arme pour voir un peu, voir un petit peu ce que ça pourrait donner. Là, on peut avoir aussi cette arme-là. Bon, ça peut pas être longtemps, hein. Ok, là on est bon. Alors on va passer là-bas, ici. Oh, qu'est-ce qu'ils ont envoyé là? C'est quoi ce truc? Plus éclairante? Alors niveau vie, on n'est pas bon par contre. On n'est pas bon niveau vie. Voilà. On est bon. On va aller ici. Ah, recharge. Faut que ce soit automatique, obligatoirement. Recharge avant de tirer. Voilà. Passe un petit peu ta tête, toi. Fais-moi voir ta tête. Allez, boum. On n'en parle plus. Ok. GG avant pour ton level. Mais bon, il est parti hein, avant, je pense. Il a quitté le live, donc... mais GG quand même. Alors, j'ai juste ton projet d'en refaire une main. D'accord, pour le site de Dirt en plus. Ah, bah c'est génial. Ouais, comme ça, je profiterai de... Bah tu, le mets à la même taille que ta bannière. Hein, au niveau de ta bannière, ça passe bien. Donc je veux dire, bah, c'est nickel. Ça prend pas trop de place et pas trop volumineux au niveau du live. Ça gêne pas vraiment. Je pense que ça gêne pas, hein, à mon avis. Ah oui, bah pourquoi pas, Megan, ouais. Demain, en début d'après-midi, d'accord. Bah j'essaierai de passer, hein. Généralement, début d'après-midi, moi... je pense pas que je vais streamer, ça sera plutôt du repos, tout simplement. Alors demain, il y aura un live, mais à quelle heure, je sais pas du tout. Et il y aura un live. Il y aura un live. Alors peut-être pas sur The Division, peut-être sur Anthem, ça dépendra. Ça me dépendra un petit peu, voir comment je vais avancer aujourd'hui. Sur The Division. Oh, il y a le feu ici. On verra bien. On verra bien déjà, un peu mon état de forme aussi. C'est vrai que c'est rare que je stream le week-end. Hein. Je suis trop fatigué, ça sera au repos, hein, voilà. Surtout que j'ai encore passé une très mauvaise nuit. J'ai pas dormi beaucoup. Donc voilà, il va falloir que je récupère un peu tout. Enfin, on va essayer de récupérer le sommeil qui me manque. Tout, mais ça va pas être gagné. Alors on a quoi là? On a du niveau 2. Ok. Alors, on va lancer une grenade. Hop. Hop, allez, la grenade qui va bien. Voilà, je l'ai eu. Yes, voilà. Oh, elle m'attaque. Pourquoi tu m'attaques, toi, méchante? Coleman, elle a voulu m'attaquer avec sa matraque. Alors, on en a un là-bas. Je suis un peu loin. Je suis un petit peu loin. Ah, mais la visée. Attendez, je vais monter dans sensi. On va passer sur le niveau 3. Niveau sensibilité. Voilà. On va passer ici. Ah, j'arrive pas. Je tire à côté. Ça tire de où là? C'est lui qui me fait mal hein. Prochain. Voilà. Ah par contre au niveau vie on est limite hein.
Wow, on est un peu limite là. Ah, on a un kit de soin là-bas. Une trousse de soin, on dirait. Il faudra que j'aille la chercher. Compliqué de reprendre des soins du coup. Voilà, maintenir. Bon, pour l'instant, j'ai plus de trousse de soin. Mais bouge! What? Pourquoi tu restes collé comme ça au mur? Hop! Voilà. Voilà, on a récupéré une trousse de soin, c'est bon. Nickel. Alors, soit on y va en mode bourrin, soit on y va, on y va en mode. Qu'est-ce qu'elle me fait, elle? Qu'est-ce que tu veux, toi? Voilà. Ouh, c'est chaud. Pas beaucoup dormi, c'était à cause du... Ah oui! Pour... Gus DX, Megan? C'est ça? C'est par rapport à ça? Alors... On a quoi là-bas? On va aller chercher, du coup. Hop! Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? On a... Examiné. Oh, on est un petit peu mieux au niveau dégâts. Ouais. Temps de rechargement, ouais, on est un peu mieux. Bon, on va prendre cette arme-là. Hein. S'équiper. Voilà. Hop. On est déjà un peu mieux, là. Nickel. Ah non, ah, excuse-moi. Peggy 18. Ah, d'accord. D'accord, y'a pas de soucis, Megan. Ok. Je suis trop curieux, je veux tout savoir. Ah, oh, moi je dors pas beaucoup hein, en ce moment, c'est la galère hein, au niveau sommeil, mais bon, ça vous le savez très bien. Hein. C'est ma maladie qui fait ça, quoi. Hein. Les insomnies, je connais, hein, franchement. Donc c'est pour ça, dès que je peux me reposer un peu, moi je me repose, et puis dès que j'ai pris un petit peu de repos, j'ai fait un peu de repos, bah on essaye de vraiment de faire ça, passer sa journée comme ça. Ici, ouais. Et qu'est-ce qu'on a de joli? On n'a rien. Par contre, je sais pas si Kenny est encore là, je sais pas si Kenny il est là ou pas. Est-ce que c'est le genre de jeu qui t'intéresse, The Division, Kenny? Arnaud, oui, j'ai pas de soucis, chez Arnaud, il a... Tu l'as testé? Les genouillères. On est sur du quoi, là? Ah, bon, on va les prendre. Regardez, on est à... en protection, on est à plus 68. Eh ben, on va s'équiper, voilà. C'est vrai, Megan? Ah oui, à ce point-là. Mais bon, je suis pas exceptionnel. Hein. Pourtant, je fais pas... je suis pas quelqu'un d'extraordinaire non plus, Megan. Mais bon, ça fait plaisir. Ça me fait plaisir quand même. T'avais pas aimé le premier, d'accord? Car j'étais largué par de gros levels. Ah oui. Ouais, il y avait eu ce souci dans The Division... Moi, ouais, il y a eu des tricheurs, on va dire, un petit peu. Ouais. Il y a eu pas mal de... Comment on appelle ce nom-là, exact là, les gens qui... des glitchs. C'est des glitchs. Je ne me rappelle plus. Comment on appelle ça? Oh, pas mal, ça. Et... Alors, attendez, on va comparer. Et c'est vrai que ça avait gâché... Ça avait gâché ce jeu. Hein. Il y a énormément qu'ils ont triché, en fait. Il y a énormément de triches sur ce jeu. Et c'est pour ça que les gens ont un peu, au bout d'un moment, déserté aussi cette division. Hein. Des cheaters, voilà, c'est ça. Merci, Megan. T'as pris le croc frais, Arnaud? Ouah, tu t'es fait plaisir. Tu t'es fait plaisir, là. Alors ça, on le prend. Hein. On est à plus 305 en dégâts. Y a pas photo. Bon, le CPM est pas aussi bon. La charge non plus. Mais on va s'équiper. Allez, c'est parti. Voilà.
Là, on est sur du... c'est quoi ça? Ce sont des masques à gaz. Des cheaters, voilà, c'est ça. Et ouais, voilà, il y a eu énormément de soucis sur ce jeu. Hein. Mais quand il a commencé à avoir des cheaters, moi, il y avait longtemps que j'avais arrêté d'y jouer parce que j'avais fini le jeu. J'avais fini le mode de histoire depuis un bon moment. J'avais déjà monté un bon level au niveau de la Dark Zone. Puis je me suis dit, allez, on va passer à autre chose. J'avais passé pas mal de temps sur The Division 1 et voilà. Et c'est il est à quel prix le coffret? Alors ça consiste en quoi, Arnaud, le coffret? Il y a quoi exactement dedans? Coucou Dirt, salut à tous, tu peux faire. Ouais, bien sûr, Dirt, il n'y a pas de souci. Pas de problème, merci de passer en tout cas. J'espère que tu vas bien en tout cas. Et tu as quoi, Sekiro? Ouais, tu m'en avais parlé hier, il me semble. Il me semble que tu m'en avais parlé, que tu allais prendre Sekiro, ou bien, je sais pas comment ça se prononce. J'espère que ça va, d'ailleurs, en tout cas. Allez, c'est parti. Ah bah, comme ça te permet de découvrir un petit peu The Division. Moi, je pense que tu connais, hein, le premier, t'as déjà dû voir des lives dessus. Moi, je suis sûr que ça te plairait bien. Je suis persuadé que ça te plairait bien, ce genre de jeu. Oh, Native Monde! On va prendre la grenade. Et on va envoyer tout ça là-bas. Voilà. Allez, boum! On a du monde, là. What, c'est efficace, cette arme! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Non, mais... Qu'est-ce que tu fais derrière mon dos? C'est pas bien ça. Pas agresser les gens comme ça dans le dos. Hein. Ok. Ah, t'as pris Resident Evil. Ah, bah, bienvenue au club. Oh, d'accord. Ah, bah nous deux, Megan va bien rigoler. Ça va y aller les clips. Hein. Megan va attraper des crampes au niveau des doigts. Tellement qu'elle va clipper, hein. À nous deux, je pense que Megan va sortir le trophée du meilleur clipper, hein. On va se marrer. Ah, je te cache pas que je suis pressé de le démarrer, Resident Evil, hein. J'ai envie de le démarrer, franchement. J'ai envie de me faire une petite poussée d'adrénaline, tiens. Pourquoi pas. Ah bah c'est sympa, je pense que t'as bien eu raison de le prendre également. Alors attendez, je vais reprendre un message, j'ai vu le jeu. Ah, tu vas faire un unboxing. Ah bah c'est bien ça. Et tu le ferais quand ouais, là, au moment de la sortie, qui est le 12 mars, je pense. Hein. Ouais, le 12 mars, c'est marqué en plus. Le 12 mars, tu m'as marqué ça dans le 22 mars. Non, attendez, je reprends vos messages. La musique, d'accord, mais bah, c'est gentil, Megan. Tu l'as un peu testé, The Division? C'est chaud. Ah, il est pas simple. Moi, ça va. Moi, personnellement... comment dire... je connais le jeu, donc j'ai un peu les bases du jeu. Je sais pas si t'avais déjà fait le premier. Donc, je connais un peu les bases du jeu, donc voilà. Malgré que j'ai des problèmes de mémoire, je veux dire... je peux pas passer là. What? Agent requesting backup. Ah, faut tout faire péter à mon avis. Oui, c'est ça, faut tout faire péter. Voilà, on est d'accord. On fait tout péter là-bas. Alors, attendez. Allez, boum. Voilà, c'est bon. Donc, je connais un peu la base du jeu, donc je galère pas vraiment de trop pour l'instant. Alors, je sais pas si toi t'avais fait le premier, mais ça se comprend qu'il est chaud à jouer au début. Hein. Moi au début je galérais, dans le premier j'ai galéré comme pas possible. Hein. Et encore ça va, j'ai été accompagné de quelqu'un qui m'a énormément aidé. Parce que c'est un passionné de ce jeu, il m'a énormément aidé. Il m'a appris vraiment comment y jouer. Et puis ben ça s'oublie pas, c'est un peu comme le vélo. Hein. Enfin, ça s'oublie pas, c'est une...
suis peut-être mal placé pour dire ça, parce que bon, avec ma mémoire qui fait défaut à chaque fois. Mais j'ai des bons souvenirs du premier, donc ça revient pour le 2 là. Alors, je serai en vocal avec Dirt pendant son... Ah d'accord, Megan. Yep, Megan, j'attends juste que Elgato me livre le fond vert. Ah oui, c'est vrai. Ah, c'est prévu pour quand la livraison, Dirt? J'attendrai. Sadique. Il y a une mise à jour, hein. Faudrait que je fasse la mise à jour, alors. Faudrait que je teste ça. On va peut-être regarder tout à l'heure, une fois coupé. Bon, je pense pas que je ferai du Resident Evil ce week-end. Je sais pas encore, mais il y en aura peut-être dans la semaine. Peut-être l'après-midi, tant pis, hein, ça sera l'après-midi. Vous savez, moi, le soir, c'est un peu plus compliqué. J'aime bien me poser, j'aime bien me mettre au calme le soir. Ou peut-être il y aura un live de soir, on sait pas, on verra bien. Hein. Bon, bah voilà. Apparemment, c'est pas encore fini, je dois passer par le toit. À mon avis, il va y avoir du monde. Pas de zone de réapparition. Bon, donc ça veut tout dire. Hein. Vu qu'il n'y a pas de zone de réapparition, c'est-à-dire si tu meurs, bah tu meurs quoi. Voilà, tu refais tout. Entre le 5 et le 7, d'accord. Oh, bah ça va, c'est pas. Il n'y a pas trop d'attente. D'accord, Kenny, merci d'être passé. Bonne soirée si on ne se croise plus sur le live. Et puis merci d'avoir participé. A bientôt, Kenny. Hop. C'est parti. Par contre, là, je commence... vous voyez, d'un seul coup, là, je commence à rattraper un mal de crâne. Alors, je sais pas si c'est... Il y a un peu trop de lumière. Et ça arrive souvent, hein. Et à un moment ça va, mais après j'ai des maux de tête incroyables. J'espère que ça va se passer. Allez, c'est parti. Par contre, j'ai toujours pas trouvé comment se baisser. Éliminer les hommes du sang. Ok, il se trouve où exactement? Donc je suis accompagné apparemment d'une charmante demoiselle. Mais qu'est-ce que j'allais dire, Dirt? Qu'est-ce que ça t'a donné la première impression d'avoir joué? T'as testé le jeu, qu'est-ce que tu en penses personnellement? Bon, je sais pas si t'as joué longtemps. Par contre, ici, on peut fouiller. Je sais pas si t'as joué longtemps ou pas. Oh! Qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Alors, on va envoyer le drone également. Allez, on peut envoyer des drones. Ça, c'est plutôt pas mal. Hop, voilà. Ça, c'est le drone de mon allié. Par contre, je vois pas les ennemis, ils sont où? Ah, ils sont là-haut. Aïe, 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 ça va piquer. Ah, ici. D'accord. J'adore cette arme. Je sais pas si c'est un pompe, mais j'adore cette arme. On a affaire à du violet. Eh, bah la sondière en plus. Ce sont des balles incendiaires. Ah, ça c'est génial ça. J'ai bien fait de prendre cette arme là. Voilà. Ah, t'avais joué. Ah d'accord, donc ouais, on est bien d'accord. Donc t'avais eu l'occasion de faire le premier. Ah, ok. Ah bah donc ça devrait aller derrière. Ça devrait aller, tu vas t'en sortir. Après, si on peut se faire des parties ensemble, ça serait bien. Hein. Ça serait vraiment top. Hein. Oup, 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 il y a du monde. Hein. On a du monde. C'est parti. Moi, je suis complètement découvert. Alors que c'est. Je devrais pas. Là, on a un boss là. Là, on a un boss.
Là, on a un boss, les amis. Là, je vais prendre cher. Oui, je vais prendre cher. Ah, bah, je suis mort. Le boss m'a mis KO. J'ai pas regardé son level, hein. Je sais pas si c'est un boss de niveau 2. Je n'en sais rien. Et il m'a mis KO. Ah, lui, rien qu'avoir son matériel. Ah, oh, mais j'étais complètement découvert, hein. RIP. Ah ouais, là on a affaire à du costaud. Bon, on refait tout. On recommence. Se mettre un petit peu plus à couvert quand même. Utiliser les drones, les tourelles également. Voilà, ici peut-être. Alors vous voyez, on peut pas récupérer ce qu'on a... Ouais, apparemment on peut pas récupérer. Hop. Ça peut être de partout. Voilà. Je vais envoyer le drone également. Ah, je balance une grenade au lieu d'envoyer mon drone. Ok. Génial. Je conforme mes touches. Allez, mon drone. C'est parti. Reste à couvert, reste à couvert. Non, mais non, non, fais pas le tour. Non. Fais le tour, s'il te plaît. Ah, j'ai du mal avec le stick. Hein. Quelle difficulté avec le joystick, c'est pas génial. Hein. Oh, je prends cher, là. Oh, que ça pique. Eh, fais mal, lui. Bouge. Ah, mais non. Ah, Je vais prendre cher. Bah, moi, c'est pareil, Dirt. Je te cache pas que je suis intéressé par le jeu. Mais faut que j'arrive à trouver des joueurs. Faudrait trouver du monde qui puisse jouer avec moi. Parce que ce jeu-là, en solo, personnellement, j'ai fait... je l'ai fait en coop le premier. Il y a un moment, je suis repassé en solo dessus. Et c'était pas pareil, hein. L'idéal, c'est de le faire en coop, ce style de jeu-là. Voilà. Donc je sais pas vraiment si je le prendrai. Faut voir un petit peu. Être vraiment sûr qu'on puisse vraiment jouer ensemble. Et puis, le gros problème, c'est vrai que moi, je suis pas tout le temps dispo. Fixer des créneaux horaires, bah, c'est difficile. Toi, avec ton travail et puis les week-ends, c'est vrai qu'on est généralement pris. Donc, mais pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Ça peut être, ça pourrait être assez sympa de pouvoir jouer ensemble. Allez, je vous laisse, bon live. Merci Dirt, merci d'être passé. Bon courage pour le boulot. Bon courage pour le taf. Et à bientôt. Ah, par contre, je prends cher là. Et je suis mal placé. Et les touches, encore une fois. Ce sont les touches qui vont pas. Puis mal placé, surtout, faut l'avouer, je suis pas très bien placé. Hein. Je refais la même erreur que tout à l'heure, c'est-à-dire me mettre en plein milieu. Il faut que je me protège autrement. Déjà, j'ai oublié pour mon drone, je sais plus ma touche. Donc c'est plutôt embêtant. Ah, et sinon, faut passer ici. Alors. Mais pourquoi tu me colles, toi? Cache-toi, on va te voir. Mets-toi accroupi. Voilà. Voilà. Mon drone. Allez, on envoie le drone là. Recharge, s'il te plaît. Avant de tirer, recharge. Alors. Le plus dur, ça va être le boss, hein. Le plus compliqué, ça va être le boss. Je tire à côté. Bouge un peu. Bouge. On a eu du violet. On va se positionner là, peut-être. Alors, on en a ici.
ce qui m'embête, c'est vraiment la visée. Hein. Alors, éliminer le ça. Le ça, c'est certainement le boss. C'est toi, c'est toi, c'est toi. Il est là-haut d'ailleurs. Il est là. Baisse-toi, 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 baisse-toi. Ah, je balance ma grenade d'un côté. Bouge, 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 bouge. Bouge là. Ça va être compliqué, ça va être compliqué, les amis. Non, baisse-toi, baisse-toi, reprends tes soins. Bibi, bouge-toi. Voilà. Il est là. Bouge là, s'il te plaît. Parce que lui, il va me. Non, bouge. Je panique. Je panique. Voilà. Allez, on va l'avoir, on va l'avoir, on va l'avoir. Allez, j'ai plus de soins. Aïe, 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 aïe. Ça va être compliqué. Aïe, aïe, aïe. Je vais mourir. What? Il y a un kit de soins là-haut. Non, vite, vite, monte, 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 monte. Ah mais non, il y avait un kit de soins là-haut. Ah c'est compliqué. J'avais un kit de soins à la portée. J'avais 200 mètres à faire. Ah, je récupère un kit de soins, je l'ai pas vu tout de suite. Ah c'est dommage. C'est dommage, bon on refait. Ah ça va être chaud. Ça va être chaud patata. Coucou Florence, bisous Florence, j'espère que ça va. On va se marrer les amis. On a du mal à faire des dégâts hein, sur ce boss, sur le commandant de... Ah, c'est pas, il n'est pas simple à abattre. Hein. Après c'est vrai que je monte, genre peut-être... Oh, il y en a là-bas. On a du monde ici. J'espère que ça va, Florence. Alors. Recharge. S'il te plaît, recharge. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Qu'est-ce que tu fais là? Oh, je prends déjà des dégâts. Je suis déjà dans le rouge. On est déjà dans le rouge, allez le drone. Mais bouge! Qu'est-ce que tu fais? Vite, vite, vite! Je pensais que c'était un kit de soins, mais non. On a un kit de soins là-haut. On va y aller. Ah, mais j'arrive pas à viser! C'est terrible. Prends du soin. Hop, on est bon, on a plus le kit de soin. Hop, on va aller là-haut. Vite, 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 dépêche-toi. Voilà, on en prend un ici. Voilà, on l'a pris, on est bon. Ici, là-haut. Faut être patient dans le jeu. Hein. Pas vouloir foncer tête baissée. Faut être patient. On a un kit de soin là-bas au bout. Qu'est-ce que tu fais? Là, bah, on a un kit de soins. On va aller les récupérer tout de suite. Voilà, donc là, on a deux trousses de soins. Nickel. Ok. Bah, maintenant, il n'y a plus que le boss. Hein. On n'a plus qu'à s'occuper du boss. D'ailleurs, il est où? Il est passé où là? Que ça va, Florence? Ah, mon drone est. Mon drone, apparemment, il est HS. C'est quoi ce point vert là-bas? Qu'est-ce qu'il me tire dessus là? Non, bah, c'est un allié ça. Un allié là avec moi. Alors. Mais il est où le boss ça? Je le vois pas. Ah, ici il y en a un là-bas. Ah,
Voilà, il va falloir éliminer ce fameux... Mais bouge ! Le v'là ! Eh, mais qu'est-ce que tu fais là, toi ? Comment ça se fait que tu viens là ? Non, mais... Il me fait tirer de où, là ? Il est là ! Il est là, le boss ! Il fait mal. Il me fait très mal. Bouge de là. Vite. Au niveau soin, on est comment? Ouais. Je fais aucun dégât. Baisse-toi. On l'a eu! Yes! Je l'ai eu! Pourquoi je peux pas utiliser mon drone? Ah! Allez, on envoie le drone! Je pense qu'on l'a eu là, c'est bon! Le big boss est éliminé! Pas le big boss, c'est une façon de parler! Hop! C'est parti! Alors, je vais très bien! Ah oui, je m'éclate! Je suis un enfant, une petite enfant qui vient de recevoir un nouveau jouet. Ah ouais, non, mais je m'éclate sur ce jeu-là. En doute un petit peu, je l'ai bien aimé, hein, mais... Alors, je sais pas si je vais lâcher, parce que, personnellement, c'est un jeu cop. Plus un jeu cop, quand même. Oh, alors, attendez, pourquoi je me mets là, moi? Qu'est-ce qu'il fait, là? Je sais pas, je vais voir. J'ai tellement de jeux encore à finir, également, donc... Peut-être que je veux quand même craquer sur ce jeu. Voilà. On va voir. Alors, ne pas oublier de récupérer... sac à dos. Oh, sac à dos, marché noir. On va tout prendre. Voilà. On prend le contenu de cette boss. On va récupérer ça également. 9. Alors, attendez. Examiner. Ah, on a moins de dégâts. On est à moins de 271. Le CPM est meilleur, la charge est meilleure. Donc je ne prends pas. Mais quel talent! Bah, le talent, oui. C'est vité, hein. Ah ouais, non, mais il faut s'amuser malgré tout. Malgré les circonstances, il faut se changer les idées. Pour ça, j'hésite pas dès qu'il y a possibilité de faire une petite nouveauté, se faire plaisir sur un jeu vidéo. Allez, voilà, j'ai craqué sur Resident Evil. Voilà, c'est une bêta, donc peut-être que je vais craquer sur ce jeu. On verra bien. Là, on va examiner. Non, je prends pas. On va démonter, tout simplement. Ouais, on va le démonter. Voilà. J'ai récupéré les rebuts. Alors, est-ce qu'il y a intérêt à démonter ou à revendre? Ça, je sais plus du tout. Je m'en souviens plus vraiment. L'intérêt, c'est quoi? De revendre ou de démonter? Faut voir. Je suis full là. Apparemment, je suis full, j'ai plus de place. J'ai peur d'avoir de place, ça. Non, c'est pas ça. Par que j'ai un mal de crâne qui vient d'arriver là, c'est pas très sympa ça. Mal de crâne qui vient de faire son apparition et ça va me. Bon, on verra bien. On verra bien. Je vois que j'ai vraiment un gros mal de tête, ben on arrête, on stoppera tout simplement. 18h. Peut-être encore continuer une petite heure, on va voir. Alors par contre, c'est vrai que j'ai beaucoup de difficultés, c'est le stick, hein, c'est dans les mouvements. C'est pas fluide. Ça, c'est un peu le reproche que je peux. Au stick, c'est ça. Alors. Alors, sécuriser la sortie de l'hôtel. Retourner à l'atrium. L'atrium, oui, je vous sais. Ce fameux bâtiment qui se trouve. Oh, on a la compagnie. Ah non, français. Je pensais qu'on avait encore les ennemis. You got hostiles flooding into the building from the street.
Voilà. Est-ce que ça vous plaît, est-ce que le jeu vous plaît Hop, voilà. On récupère des munitions. Ah, ça a l'air un peu plus fluide comme ça avec le stick réglé comme ça. Faut voir. Faut voir la visée. Ah, c'est plus sensible à la visée par contre. Hein. Alors si je commence à faire des... Ouais, faut voir. On va tester comme ça. Plein de bisous. Ça serait bien, ça serait magique. Des bisous magiques en fait. Des petits bisous magiques qui permettraient de... Comment dire, de retirer ce mal de tête. Ah, ça arrive souvent. C'est nouveau, c'est les symptômes de cette saloperie de maladie. Et bon, il n'y a pas que ça. Hein. Douleur musculaire, tout ça, ça ne pardonne pas. Oh, on a du monde ici. Prends-le. Allez. Alors attendez, par contre là, ma sensibilité est trop forte. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Ça arrive de partout. Eh, qu'est-ce que tu fais toi? Mais lâche-moi! Qu'est-ce que tu viens faire là toi? Non mais... Sur vous. Oh, attention, tu vas mourir. Hop. Ouais, par contre, je pense que je vais reprendre du soin. Laisse-toi. Non, mais saute pas. J'ai pas dit de sauter. Laisse-toi. Oh, elle est là. Pourquoi t'as sauté? Ouais, non, mais je confonds avec les touches. C'est de ma faute. Ce sont mes touches qui font défaut. Alors, est-ce qu'on est bon? Ah, il y en a un là. Oh, le petit. Oh, le cochon. Il était caché derrière le fauteuil. Il est vénin, lui. Alors, est-ce qu'on en a encore? Allez, on fouille. Belle Florence. Bisous magique, ouais. Petit bisou magique. Alors. C'est pas top ma cam, hein. J'ai l'impression de faire du... Oh, il y a encore des sauts d'image. Pas génial. Allez, je vais regarder. Peut-être que c'est un moment un petit peu plus calme. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour cette cam? Qu'est-ce qui se passe? Je n'ai rien touché, j'ai touché à ma cam, le jeu fait un retour bureau. What? Bon, moi je pense qu'il est... Il est planté, j'espère que je ne vais rien perdre, je ne vais pas devoir tout refaire, hein, sérieusement. Hein. Sérieux, ça c'est pas bien ça. C'est pas gentil Ubisoft de faire des jeux qui font des retours bureaux. Bon, après ça peut être possible que ce soit mon PC qui fait ça. Ouah, j'espère que je ne vais rien perdre. C'est galère. Pourquoi ils font des jeux PC qui sont pas stables? Sérieux? Pas normal ça. Alors attendez, je vais essayer de voir, je vais profiter du coup pour régler ma cam parce que c'est pas top du tout. Et vraiment pas. Si je fais ça, compensation de lumière, le zoom, on va la rezoomer un tout petit peu, voilà. On monte un petit peu le zoom, ouais, c'est pas génial. Après, vous allez me dire... Il n'y a pas de lumière dans ma pièce, c'est peut-être pour ça. Est-ce que c'est mieux comme ça ou pas? Pas stable le jeu. Hein. C'est pas très stable. Bah, j'ai tout perdu en fait. T'es sérieux? J'ai tout perdu! Non, t'es sérieux Arnaud, je vais tout recommencer? Purée, c'est pas possible ça!
Tiens, fouet le jeu, un coup de fouet au jeu. C'est normal, ça. Donc ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpin. Voilà, Ubisoft propose de la poudre de perlimpinpin. Macron l'a dit. Ah, j'en soyez le premier à jouer. Ouais, bien sûr, mais il faudrait que ça marche aussi, mon gars. C'est vrai, je suis obligé de tout refaire. Oh, pas normal. C'est pas normal, ça. Alors, parce que ce jeu bug, je vais devoir me retaper le boss. Oh, purée. Alors, attendez, je vais essayer de voir pour régler la cam. Oh, bah non. Oh, bah non, ça a l'air d'aller. Reprends-la. Cool. Oh, j'ai eu du pot. Si c'est que cette partie-là, ça va. Bon, pour ma cam, je crois que je vais la couper, les amis, puis c'est tout. Hein. Parce que là. Il n'y a plus personne qui arrive ici. Ils ont peur de m'affronter. Oh, cette musique, elle est top. Bon, bah, je pense que je vais finir. Tu l'as testé, Arnaud, toi. T'as pas eu de soucis particuliers sur ta Xbox, hein. Non, y a rien. On sort de ce bâtiment. Y a plus personne, apparemment. Bon, ben, ça va, ça a sauvegardé, heureusement. Parce que s'il fallait refaire le... Oh, défaire ça. Ah non, y a un bug, là. Détruire la porte. Bah, la grenade, on va y aller, hein. On va y aller, la grenade. Hop, grenade. Il n'arrive pas à la détruire. Le fou, il prend Megan. Hop, voilà. Ouais, non, mais c'est pas grave. Ouais, c'est vrai que... Ouais, je sais pas, je vais quand même pas réinvestir dans une cam. Je me demande bien si c'est pas ma cam qui déconne, j'en sais rien. Moi, j'en suis pas très satisfait de cette cam. Bon, pas top, top, top. C'est pas génial. Peut-être prendre la grosse mitraillette, peut-être, et tirer dessus. On va prendre du lourd, on va tirer dessus, je pense que ça va être ça. Voilà, à mon avis, c'est ça. Voilà. On est bon. Ah, la porte a une barre de vie, en fait. Il y a une petite barre de vie sur cette porte. Vous voyez? Allez. Voilà, on est bon. Dis rien, fait, mais j'avais envie de... Oh, il y a du monde. J'avais envie de donner un petit coup de fouet. Je sais pas si c'est pas Florence qui l'a dit. C'est pas moi, c'est Florence, hein. Hop. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Cache de ici. Ça arrive de partout, ça tire de où? Voilà. Hop. Allez, c'est parti, voilà. Alors, c'est vrai que le son est nettement meilleur que dans Metro Exodus, hein. Au niveau des paroles, je les entends super bien. Bon, c'est en anglais. Mais je trouve que l'ambiance sonore est vraiment pas mal. Mais ça se voit que le PC, le jeu est instable, hein. J'ai l'impression d'avoir des chutes de FPS. En vrai, c'est peut-être mon PC aussi, hein, qui déconne, hein. Ah, voilà. Alors, c'est pas moi, tu vois, Megan. C'est pas moi, c'est Florence. Florence a dit tout simplement coup de fouet pour Megan, donc je le fais. Voilà. Excusez-moi, je m'étrangle, mais je suis pas fautif. J'avale ma salive dans le mauvais sens. Je suis pas fautif, voilà. Je me protège là-dessus.
C'est pas moi. C'est Florence qui l'a dit. Oh, c'est beau. Donc lui, comme ça, c'est magnifique. Ah, il est beau quand même. Hein. On veut tous les pavillons, le jeu. Hein. Avec l'arbre de Noël, ouais, qui sert pas à grand chose. La ville est complètement dévastée, mais. Avec la petite lumière dans le dos, sur le sac à dos. Ouais, c'est une bêta, mais c'est pas méchant. Hein. C'est un peu crisant, mais c'est qu'une bêta, c'est, effectivement. Hein. Peut-être qu'il sort le 12. Ouais, peut-être le week-end prochain. Non, je sais pas si... Non, je pense que c'est la dernière fois. Ouais, c'est jusqu'au 4. Ouais. C'est jusqu'au 4, il me semble. Hein. La bêta. On a du bon là-bas, regardez. Je sais pas si c'est des alliés. Alors, vous voyez, on peut aller fouiller des bâtiments comme ça hein, pour récupérer un maximum de choses. C'est plus le nom exact, comme on dit dans Twitch. Donc, je dis des choses. Ah, ça lag. Ah, mais c'est terrible que ça lag comme ça. Très bien. Allez, s'il chauffe pas mon PC quand même. Pas l'air de chauffer. Hein. Ça a pas l'air de chauffer le PC, il a pas l'air de chauffer, mais on sait jamais. Ouais, bah ça, je vais m'en occuper une fois que je suis retourné au grand bâtiment. Non ? Ah, je peux enclencher une mission ici. Mission refuge du théâtre. Hein. Je viens de le faire, ça. J'avais fait cette mission-là. Bah oui, terminé, c'est compliqué. On va pas la refaire. Ça sert à rien. On va pas refaire une mission qu'on vient de faire. Un jour, je le mangerai. Je l'aurai un jour, je l'aurai. C'est quoi, je n'ai pas cette bande sonore. Où je la retrouve. Cette petite bande sonore. Je l'aurai un jour, je l'aurai. Allez, on va fouiller, on va faire le curieux, tiens. On va aller voir un petit peu ce qu'il y a dans ce bâtiment. Bon. Oh, oh, oh. On a quoi exactement ici? Oh, bah, je suis déjà venu ici. Oui, bah, je suis déjà venu ici, je pense. Oui, 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 oui. Il me semble. Qui peut percher? Allez, on va retourner dans un lieu sûr pour pouvoir essayer de voir ce qu'on peut faire après pour améliorer mes armes et tout le reste. Ça fait pas trop de pixels là, par contre sur le live avec la pluie tout ça. Juste pour savoir hein, s'il faut voir le fait que j'ai monté en résolution, est-ce que ça pixelise pas plus. Oh, j'ai réussi à le dire correctement. Parce que faut savoir que si tu montes en résolution, faut monter le bitrate. Hein. Ce fameux bitrate qui permet d'avoir une meilleure qualité. Si c'est ça, je peux remonter le bitrate, vous monter un peu plus haut, mais c'est pas sûr qu'après vous allez réussir à suivre. Voilà, je vais. De toute façon, après, je pense que tu es limité après. Hein. Sur Twitch, tu es limité. Hein. Non, nickel. Ah, bah voilà, ça fait plaisir. Plaisir de voir que le live enfin est de bonne qualité. Quoi. Merci Florence. Nickel Arnaud, d'accord Arnaud. Alors rentre avec la nourriture. C'est qui ceux-là là? C'est des ennemis ça? Ah non, ce sont des ennemis, ils sont avec moi. C'est mes alliés ça. Okay.
monument. Alors je viens de découvrir le théâtre. Emballé, c'est pesé. Qu'est-ce qu'ils font eux? Ah, je peux pas rentrer. Alors, mission annexe menée à bien les missions annexes en remportant. Oh, je tape dans le micro, excusez-moi. J'espère que ça n'a pas été désagréable. On est quoi de mon bras? Allez, on y va. On rentre au bercail. Ouais, franchement, celle-là... Après, c'est peut-être pas co, hein. Pas collection qui fait ça. Ah là, d'accord, ici, c'est pour accepter les missions. On est bien d'accord. Ah oui, tu m'avais dit aussi qu'il y avait... les cordes de guitare, c'est ça? Tu m'avais parlé d'une corde de guitare. Bon, on va aller faire cette petite mission, à mon avis. This city is a dangerous place. Don't walk the streets unarmed. Take care out here and look out for each other. T'as un coup de barre, Arnaud. Ah, pas de soucis, repose-toi bien en tout cas, Arnaud. T'as pas entendu le coup, pourtant j'ai bien tapé dedans avec mon bras. Hein. Le jeu rend... Ah d'accord, Vegan. Bah bon courage, enfin bon courage, repose-toi bien, surtout Arnaud. Hein. Barbecue. Hydroponie, c'est quoi l'hydroponie? C'est quoi ça? Mort. C'est quoi? Attendez, parler à Chelsea Watt, parler à Cameron. Oh, il va falloir taper de la discute là. Bon, on va faire le tour du bâtiment et puis apparemment il va falloir que je parle à énormément de personnes. Bon, on va le faire. Ici, là, ce sont des projets. Bonne soirée Arnaud, repose-toi bien en tout cas. Et merci d'être passé. Alors, attendez, par contre, il y a un truc qui... Je vérifie quelque chose au niveau de X-Split. Bon, ça a l'air d'aller. Alors, donner la totalité du rebut. Ouais, mais si je donne la totalité... Ah ouais, il faut faire des schémas également. Oui, oui, je m'en souviens de ça. Les schémas débloquent un mode sous-canon qui augmente la précision et diminue la stabilité. D'accord. Voir donc. Là, on peut faire des bons. Bon, on va le donner tout simplement. On va donner cette paire de gants. D'accord, donc moi je récupère du polycarbonate. Donc avec ça, on va certainement pouvoir crafter des objets, je pense, à mon avis. Non, je vais pas donner cette ressource, je viens de le récupérer, ça serait... Alors, ici... On va le donner également. Voilà. Là, j'ai récupéré de l'acier. D'accord. Okay. Je m'en souviens plus, ça, par contre... ce principe de données, je m'en souviens plus vraiment. Ah d'accord, l'hydroponie ou culture hydrophonique. Ah, c'est de l'agriculture hors sol. Et la culture de plantes réalisée sur quoi? Sur un substrat neutre et inerte.
D'accord, sur du sable et de l'argile. D'accord, est très présent en horticulture et dans les cultures forcées de certains légumes sous serre. Ah, bah merci de l'info, Megan. Merci, merci. Au moins, j'ai appris quelque chose. Merci de... Comment dire, de cette info. Ok, bon, on va faire le tour. De toute façon, je vais aller parler à énormément de personnes qu'on va aller voir. Ça va certainement déclencher des missions annexes, je pense. Hein. Ici, on a le barbecue. Le fameux barbecue en forme de tonneau. Ici, on a le... Voilà, ouais, je vous dis, hein, ça va déclencher des missions. Bon, mission annexe. Hey, agent. We've lost contact with a few people who've been living in a deserted library around here. We have reports of a lot of hyena activity in the area. Hi there, agent. Can you check it out? I think I'm allergic to something. D'accord. Ouais, bah ça monte tout doucement, Megan. Hein. Ça monte tout doucement. Pas vouloir aller trop vite. Puis bon, c'est vrai que... Bon, après, tu... Tu stream pas énormément non plus, mais ça va venir. Tant qu'il y a la passion derrière, si t'es passionné à le faire, ben voilà, faut continuer. Après, bon, c'est vrai que les follow, on aime bien voir évoluer sa chaîne, comme j'en ai parlé hier. Hein. C'est sûr que de ce côté-là, ça fait tout le temps plaisir de voir que notre chaîne évolue, mais il y aura tout le temps des passages haut et bas, quoi. Là, je suis dans le mou, on va dire, en ce moment. Au niveau de ma chaîne, je suis dans les sables mouvants, on va dire. Ma chaîne, elle n'évolue plus vraiment. Hein. Alors, pourquoi ça... Ça, je sais pas. On se pose plein de questions quand c'est comme ça, mais bon. C'est comme ça, tout simplement. Alors, on va faire le tour. Alors ici, qu'est-ce qu'elle va dire cette jolie demoiselle recrutée, Iana. Voilà. Hello, I'm Anaya. I'm going to be helping out at the base of operations with equipment fabrication. Twitch, un petit plus, c'est sûr. C'est un petit plus, ça te permet de, entre guillemets, de passer un petit peu à autre chose. Parce que bon, c'est vrai que de la créa, je sais que t'es passionné de création, mais c'est, moi je dis que t'as eu raison de te lancer. Hein, d'ailleurs, je vois pas, je veux dire, y a pas de souci à avoir du fait que tu te lances sur Twitch. Bien au contraire. Prochain déblocage d'amélioration. Alors, je dois aller parler à qui? Et sur quoi? Au niveau de la carte. Là, ici, on a le bureau. La Maison Blanche. Déblocage de compétences, il faudrait que j'y... Ouais, il va falloir que j'y retourne, là, à la Maison Blanche. Sur la mission annexe, le refuge. D'accord. Alors, parlez à Chelsea, Chelsea Watt. Hein. On est peut-être là à l'intérieur. Hein. On a oublié ça. Ah oui. Bon, prochain truc, on met une bise Florence dans un vocal. Ouais, mais je suis sûr que Florence... En mon avis, Florence, ça sera génial parce que... C'est vrai que j'ai pas eu l'occasion de discuter énormément avec vous en vocal, mais pour le peu que j'ai discuté avec Florence et puis toi, ça reste... c'est resté... très sympathique, quoi. Voilà. Donc je pense qu'il n'y aura pas de soucis, même s'il y a Twitch derrière, il n'y aura pas de problème. Ouais, c'est un bonus en plus, exactement. Ce bonus-là, faut l'utiliser, Megan. Bien au contraire, faut l'utiliser. C'est un plus pour toi, ça te permet également... She said you did your part.
entre guillemets, bah pourquoi pas, comme tu disais tout à l'heure, faire voir comment tu réalises tes créations. Oh, puis ouais, les cicatrices. Ah, des belles cicatrices, hein. J'ai pas les mêmes dans le dos, mais on n'est pas loin. C'est un petit peu plus long. Ah, voilà, j'ai déclenché une mission principale. Vous allez débloquer de nouvelles missions principales pour continuer à améliorer le refuge, mener à bien des missions principales. Alors, déblocage de compétences, mener à bien ces missions. Et débloquera aussi des plateformes de compétences. Ok. Sinon, qu'est-ce que vous en pensez de la... En parlant de ma cam, parce que ça m'embête un peu qu'elle ne fonctionne pas. Ce petit fond d'écran derrière la cam, est-ce que c'est... Pour vous, est-ce que c'est gênant pour le jeu? Ou il vaut mieux... Ah, attendez, je pense que je sais pas si je peux le faire. Soit je le mets comme ça. Voilà, sans fond. Sans fond, voilà, bon, c'est vrai qu'au niveau visibilité, au niveau du jeu, c'est peut-être un peu mieux comme ça. Ou remettre le background, hein, voilà, comme ça, je sais pas. Pas le background, une image. Dites-moi ce que vous en pensez. Après, comme ça, avec ce fond d'écran à l'arrière, c'est sympa. Ça fait... je veux dire, ça change un peu. C'est assez rare qu'on voit ça sur sur Twitch. C'est un petit plus. Je suis pas obligé de faire pareil que les autres. Hein. J'essaie d'agrandir l'écriture, mais j'arrive pas. What? Bon, ça a l'air d'aller. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas gênant, je trouve. D'accord. Ah, lui, mauvaise expérience en vocal, ah bon? Ah ouais? Ah, je suis pas au courant, Megan. Je suis pas au courant, faudra qu'éventuellement tu... De toute façon, dans pire des cas, il va falloir qu'on se fasse un vocal aussi, hein, pour essayer de revoir un peu concernant Discord, voir un petit peu ce qu'on peut éventuellement améliorer, ce qu'on peut retirer, ou mettre en place aussi, voilà. Parce que c'est vrai qu'il y a un Discord derrière, et bon... Pas grâce à moi qu'il y a ce Discord, hein, ça je le dis tout de suite. Hein. C'est grâce à vous surtout. Ça fait bizarre sans fond, ouais, d'accord. Après, ça change un petit peu de l'ordinaire. Alors, attendez, je vais essayer de m'en placer un peu au niveau du fauteuil. Ça change un peu du traditionnel, ouais. Mais il faut absolument. Attendez, je vais peut-être voir si je peux pas rajouter un peu de lumière. Est-ce que ça valait mieux avec un peu de lumière? Est-ce que c'est mieux ou pas? Il commence déjà, bah, je vais pas dire à faire sombre, mais on n'est pas loin. On n'est pas loin de. Ah. Ouais, encore cette image qui saute. Hein. Faut que je trouve une solution pour cette cam. Oui, bah, je sais très bien, Megan. Hein. C'est bien, mais. Faut que je me trouve. Faut que je trouve le temps, quoi. Oh là, oh, je vais rougir là, mais Florence, je suis trop beau. Ah non, faut pas dire ça, je me trouve pas très beau de toute façon. Donc voilà. Généralement. Allez, on y va. Recrutement de personnel. Au fil de leur amélioration, les refuges pourront affecter du personnel à la base d'opération. Après chaque amélioration d'un refuge, retourne ici. Pour recruter. D'accord. Ici, le personnel débloque des services. Par exemple, la fabrication. Ah oui, d'accord. Ces nouveaux services permettent de continuer d'améliorer votre personnage et de prendre part à de nouvelles activités. Ouais, bah, je pense qu'il va encore y avoir... le jeu va... Il y a pas mal de choses qui vont... à faire, quoi, tout simplement. C'est pas un jeu qui va se terminer en 10 heures. Hein. 10 heures de jeu. Hein. Megan. Ah bah pour moi, c'est tout le contraire. Hein. Mais bon. Il est aussi possible d'acquérir des techno-SHD en menant à bien des missions annexes et en fouillant des sites de techno. D'accord.
terminer le tutoriel. Bon, on est encore un peu dans le tutoriel là. On est un petit peu encore dans le tutoriel. Alors vous voyez, hein, y a des zones. Hein, des zones selon votre niveau. Bon, y a des, les zones ne sont pas débloquées forcément. Là, c'est une zone qui va de 4 à 8. Alors, si vous retombez sur des ennemis qui sont niveau 4, vous êtes niveau 3, à mon avis, ça va se compliquer. Hein. C'est très compliqué à moi d'avoir vraiment eu. Sur la mission, ah, la mission principale est juste ici, d'accord. Ok. Mais avant de partir dans les missions principales, on va. Continuer à faire le tour de ce refuge. Alors, au-delà de la diminution de la présence d'ennemis, la capture d'un point de contrôle donne accès à des équipements et matériaux de valeur. Ah oui, la capture de point de contrôle, je m'en souviens, ça. Agent requesting backup. Lancer une fusée et triompher des ennemis présents. D'accord. Alors, il me reste à parler à Chelsea. Nouveau service réserve. Déployer la corde de rappel principale. Et déployer la corde de rappel secondaire. Salut Yoda, j'espère que ça va. Que tu vas bien. Salut. On est en même temps que toi. Ça te tente ton cop à 3. Bah là, ouais, bah je dis pas non, Yoda, mais le problème c'est que je pense que je vais dans une petite demi-heure, je vais stopper le live, hein, donc je sais pas si ça vaut le coup. Mais c'est bien gentil, Yoda, hein, vraiment sympa. Je sais pas, mais comment faire, comment on peut procéder, le souci c'est que... comment on pourrait procéder? Dans ce cas-là, il faudrait que, pour une demi-heure, est-ce que vraiment ça vaut le coup? Parce que je pense que je vais stopper vers 7h, hein. À mon avis. Non, non, mais c'est sympa, Yoda. Demain, pourquoi pas, demain, oui. Pour essayer de se tenter ça demain. Mais le problème, c'est que je suis pas sûr à 100% d'y jouer. Et il faudrait voir si demain, si tu es là avec Némé. Mais c'est gentil, franchement, ça fait plaisir. Du cop, oui, de toute façon, il faut que j'en fasse. Hein, le jeu, il faut absolument faire du cop. Ouais, je pense que pour 30 minutes, ça vaut pas le coup, hein. Mais c'est vraiment gentil, mais Yoda. Ouais, d'accord, Yoda, c'est sympa. Mais la, ta proposition tient toujours, hein. Mais il faudrait éventuellement qu'on puisse déjà se rejoindre ensemble, démarrer la partie ensemble, parce que là, je sais pas du tout comment on pourrait faire. Je suis encore dans le tuto, tout simplement. Là, je suis dans la base du tuto. Donc demain, ouais, alors je sais pas demain si demain tu es présent ou dimanche. Je sais que ce week-end je vais streamer. Faudrait que je te contacte en fait. Je vais essayer de te contacterai pour te dire à peu près vers quelle heure je vais streamer. Ou éventuellement, on n'est pas obligé d'aller sur Twitch, hein, pour pouvoir jouer ensemble. Et tenter du cop ensemble, y a pas, avec Némé, il n'y a pas de souci, au contraire. Hein. Moi, ça me ferait bien plaisir. En tout cas, amuse-toi bien, Yoda. Bon jeu. Et tu salueras également Némé, hein, de ma part. Il n'y a pas de problème. Oui, voilà, on est encore en, je suis encore en phase tuto. Donc peut-être prendre le temps de bien étudier le phase tuto. Et puis une fois que tout est à peu près débloqué, peut-être monter d'un niveau, peut-être un niveau 2. Et puis après, on y va, hein, on y va, on essaye de voir ça ensemble, il n'y a pas de souci. Mais c'est gentil, Yoda, merci beaucoup de ta proposition, ça fait plaisir. Mais on aura l'occasion de on aura l'occasion de jouer ensemble, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, je pense que je t'ai en ami, il me semble. Oh, je regarde d'ailleurs comment ça fonctionne. Vite fait, je vais regarder comment ça fonctionne au niveau... je sais pas si c'est ça, paramètres... C'est quoi, c'est le leaderboard? Ah ouais, d'accord, ce sont les conflits, les missions, les clans. Mais demain, moi personnellement, demain, si vous êtes dispo, il n'y a pas de problème. Bah, mais on n'est même pas obligé d'aller sur Twitch, hein, pour
pour continuer à avancer sur ce jeu. D'accord, merci Yoda. En tout cas, amusez-vous bien, hein, profitez bien de cette bêta, de cette peut-être découverte, parce que vous avez déjà fait le premier, il me semble. Mais c'est gentil, en tout cas. Allez, je te laisse... Ouais, d'accord, il n'y a pas... Non, tu plombes pas le live, c'est, le live est calme, hein, c'est assez calme sur le live, donc il n'y a pas de problème. Merci, en tout cas, amuse-toi bien, Yoda. Amuse-toi bien, et puis, bah, pourquoi pas demain. C'est sympa. Bon jeu, bonne game. Hein. Voilà, tiens, bah, j'ai profité en même temps pour mes armes. Alors, ici, on est sur du niveau 2, du niveau 2. Alors ici, on va peut-être pouvoir le démanteler. Oui, on peut. Voilà. C'est vrai que là, on est encore en phase tuto, donc forcément, il y a encore beaucoup de choses à débloquer. Alors ici on est sur du 154 en dégâts. Là on est à 425 plus 273. Alors je sais pas où les coups par minute, il est un peu plus bas ici. Bah celui-là elle a l'air pas mal cette arme là. Hein. On perd en précision apparemment et en stabilité. Ouais. Le MK17. Bah ça c'est un niveau 1 ça. Non attendez, non niveau 2. Ouais, donc ça, c'est ma première arme. Et la deuxième, c'est celle-ci. D'accord. Ok. 154. Sans équiper. Voilà. Donc, c'est mon arme principale. Ok. Alors là, ouais, c'est l'arme principale. On est d'accord. Sans équiper. Ou démonter, peut-être démanteler. Ouais, on pourra le démanteler ici. Hop. Voilà. Ici, on est sur quoi? Alors, démanteler également niveau 2. Est-ce qu'elle est mieux, celle-là? Comparer, ouais, voilà, ce sera plus simple. On va partir sur l'arme secondaire. Ok. Celle-là, on la démonte. Voilà, il n'y a pas photo. Là, on est sur du 200. 37 plus 85. Eh ben, il n'y a pas photo, on va prendre celle-là. Elle est un peu plus petite, cette arme est un peu plus petite. Ouais, par rapport à là. Mais elle fait plus de dégâts, donc il n'y a pas à choisir. Bon, on choisit celle-là. Hop, voilà. Là, on est bon. Ok. Alors, le sac à dos. Ah, voilà, on va pouvoir changer de niveau au niveau du sac à dos. Moi, je m'en souviens, j'en avais récupéré un. Alors, celui-là. Ah non, on est équipé ou bien. Alors, attendez. Non, je suis pas équipé. Là, celui-là, on peut le démanteler. Bon, c'est le passage un petit peu plus long, le... On va dire le moins... agréable dans le jeu, mais il faut le faire. On n'a pas trop le choix de préparer tout son matériel pour pouvoir se préparer à une autre mission, surtout. Donc c'est important de le faire, ça. Hein. Cache de maîtrise du terrain. Hop. C'est quoi, ça? Ok. Je sais pas ce que j'ai débloqué, d'ailleurs. Je sais pas du tout. Ah, d'accord. Donc apparemment, j'ai récupéré des autres... Des armes supplémentaires. Ok. C'était un cache. Alors ici, le holster. Le holster. Ici, on est sur quoi? 390. Euh, 10%.
Voilà, là, on va le démanteler. Il est pas aussi bien. Voilà. Ah, ici. Ouais. D'accord, là, on passe de le sac à dos à... On passe de niveau 3 au niveau du... Non, c'est pas... Si, c'est un sac de rando de montagne. D'accord, on est... Ouais. Et je gagne 71 apparemment au niveau santé, si j'ai bien compris. C'est un roman, Megan? Ah, je savais pas. Je savais pas du tout. C'est un, tu vois, j'étais même pas... Je sais qu'il y a une série Amazon, mais Amazon, ils ont fait une série sur Tom Clancy. D'ailleurs, que j'ai jamais regardé. Mais je pensais pas que c'était un roman. Ouais, tout le monde, désolé, hein, j'ai dû couper quelques instants. Voilà, là, on y va, c'est parti. Donc du coup, on va... Non, ça, je peux pas le démanteler parce que je l'ai pas sélectionné. Voilà, ça, on est équipé. J'ai bien remis mon micro. Ouais, c'est bon. La caméra, c'est bon également. Voilà. Hop. Alors, du coup, ici... Tous les matériaux, d'accord. Ici on est sur quoi? Sur le personnage, oui. Ouais, on a encore du... Oh, bah non, on a encore de quoi faire, hein, au niveau équipement. Donc là on va faire le tour, on a le masque. On a le sac à dos, ça c'est fait, ça c'est... On peut rien faire, les genouillères. Alors, genouillère, on est niveau 2, celle-ci, est-ce que je peux la démanteler? Oui. Le plus compliqué, ça va être, pour moi, c'est fabriquer, il me semble. J'avais galéré sur le premier. Hein. J'avais été un petit peu en galère sur le premier.
Le premier, j'avais eu du mal à comprendre le système de fabrication. Eh ben voilà, protection corporelle, là on passe à 488 au lieu de 485. Eh ben, on va le s'équiper de ça. Et lui, on va le démonter. Voilà, hop. On est bon. Alors ensuite, au niveau des armes, ici, oh là, c'est pas mal ça. Fusil d'assaut, dégâts de à la santé, 5 plus 5. Un MK16. C'est le MK17. Par contre, en dégâts, je prends moins. Ouais, je suis pas aussi bon. Donc là, on est en arme secondaire. Bah, celle-là, je vais le démonter. Hein. Ouais, je vais la démanteler. Ah, c'est un de tes auteurs préférés, Megan, tu vois. Bah, je suis pas très lecture, moi. Hein. J'avoue que la lecture, pas trop mon kiff. Hein. T'as commandé le roman, du coup? Ah, d'accord. Et je sais qu'ils ont fait une série hein, sur Tom Clancy. Hein. Série Amazon. Ouais, qu'un de ces quatre, je puisse le regarder. Et vu que je suis à fond sur Netflix... Là, on a fait le tour, le hoster on l'a fait, la genouillère. Moi, je pense qu'on est bon là. On a l'air d'être bon. Au niveau drone, on peut pas changer de drone, on peut pas changer la tourelle. Voilà. Ok. Donc ensuite. Ah, t'aimes bien lire, Megan? Ah, moi j'ai pas trop la patience de lire. Après c'est une passion comme une autre. Hein. C'est une passion comme une autre. Hein. Mais moi là, non, la lecture, moi il faut que ça bouge, hein. il faut que ça explose de partout, quoi. Non, non, moi c'est... J'aurais tendance à dire je m'ennuie un petit peu dans la lecture. Ah oui, bah attendez. C'est là les amis. Ah bah oui, je vois Némé qui est connecté, mais je vois pas Yoda, tiens, c'est étonnant. Je vois pas Yoda. Je sais pas si je l'en ai mis sur Origine. Alors si on pourrait se faire un live en coop, ça serait vraiment génial. Ou un live, ou jouer ensemble, histoire de tester le jeu ensemble, tout simplement. Hein. Ce serait bien. D'accord, Rambo Six est aussi basé sur un des bouquins, d'accord. Moi je savais même pas, moi je pensais que c'était vraiment... que c'était tout simplement le jeu vidéo qui avait inventé cette licence, on va dire. Là, je pensais que c'était ça, moi. Je pensais pas que c'était un livre. Alors, ça c'est quoi? Bon non, on peut rien faire en fait. On peut rien faire. Hop, parti. Ouais, faudra que je joue avec Yoda pour faire une demande d'amis. Oh, on est parti sur quoi? Oh, j'ai failli tomber. J'ai failli tomber, il y a le vide ici. Faut pas oublier. Alors, il me reste à parler à Chelsea, puis on va refaire une petite mission quand même. On va pas stopper pour... on va encore continuer un petit peu. On va aller jusque 19h. Ça fera 3 heures de live, hein. J'ai démarré à 16h à peu près, il me semble. Ouais, 16h. Ah si, ouais, ça fera à peu près 3 heures de live, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal, là. Oh, petit point d'interrogation aussi. Ouais, là-bas. Ok. Ici, on va discuter. C'est certainement chez le Siwat. Oui, voilà. Bonjour. I have a big favor to ask. The Declaration of Independence is still in the archives building.
I'm hoping you'd be willing to bring it back. Oui, on fera un live. On fera un live, certes. Bah, je sais pas si on fait un Twitch. On serait sur Twitch. Je sais qu'on a prévu de jouer ensemble. Megan, on a prévu de jouer ensemble. Justement sur The Division. D'ailleurs, Yoda, il en avait parlé la semaine dernière, il me semble. Hein. Je sais qu'il m'a envoyé un MP et puis ça serait bien qu'on puisse, pourquoi pas, créer une équipe, quoi. Niveau des blocages de compétences disponibles à la base d'opération. Ah, d'accord, donc faut que je retourne à la base d'opération. Tiens, il y a un point d'interrogation là-bas. Je sais pas ce que c'est. On va aller voir. Alors, peut-être de là à faire du multitude, je sais pas. Faudrait qu'on organise ça, parce que je sais pas... Faut mettre ça en place, quoi. Alors, le multitude, je sais pas si tout le monde connaît. Je sais pas si Némé il connaît, et Yoda également. Oh, on a du monde, là. Il y a du people, là. Sauver les otages, d'accord. Ouais, des petites missions comme ça où il faut sauver les otages, c'est vrai. Genre de petites missions annexes. On a une biche. Une petite biche. Bah, ils sont où les otages? Alors attendez. C'est où? C'est là-bas? Salut nous deux, Fletcher. Salut à toi. 3 années, 89 jours. J'espère que ça va. Personnellement, je suis désolé. Ça fait 3 ans que tu es abonné à ma chaîne. Je vois pas du tout au niveau du... Au niveau du pseudo, je me souviens plus vraiment. Après, j'ai des problèmes de mémoire, donc ma mémoire est défaillante, mais non, ça ne me dit rien. Mais bienvenue à toi, en tout cas. Je ne mettrai pas mon casque. Ah. J'ai été absent de très longtemps. Ouais, parce qu'à mon avis, déjà... Bah encore merci d'être resté fidèle à la chaîne, surtout. C'est important. Merci d'être resté fidèle. Parce que malheureusement, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont une follow la chaîne du jour au lendemain sans savoir pourquoi. Mais bon, après, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Mais 3 ans, j'essaie de réfléchir qui ça pourrait être. Mais... Le pseudo ne me dit rien. En tout cas, bienvenue. Bienvenue, malgré que tu as connu la chaîne, bienvenue. Et j'espère que tu vas bien. Oh, on a du monde aussi. C'est des alliés. Voilà. Ça serait mieux quand tu vises la tête quand même. Alors, récupère un kit de soins. Nickel. Ici apparemment, on a trouvé. Bah non, tu vas pas tirer sur moi, toi, t'es un allié. Trouver les notes de l'agent à 2 km. On récupère ici. Level 3 GG pour ton level. Et tu avais ce pseudo là avant ou tu as tout simplement changé? Oh, désolé de ne pas m'en souvenir hein, parce que après, ça fait quand même 3 ans que tu me suis. Voilà. Hop. Critical God avant? Oh, ça me dit rien. Non, je suis désolé, mais ça me dit rien. Mais bon, c'est pas grave, hein. Y a pas de souci. C'est quoi ça? C'est un host. Un hoster plutôt. Ah, attendez. Non, j'ai fait quoi là? On va le prendre, on va voir. On s'en équipera peut-être après. Ouais,
Niveau 3, bah, y a moyen de les attaquer. Hein. Y a moyen de leur faire mal. Faisant attention, bien sûr. Ils sont pas tout seuls. Ah, par contre, là, j'ai voulu faire mon malin, mais je suis mal placé. Ah oui, carrément. Complètement explosé, d'accord. Ah, ils font mal, hein. Ils font mal, ils font mal, ils font mal, là. Au niveau vie, on est bon, là. Ouais. Voilà. On est bon. Bon, ça tire de où, là? Je sais pas de où ils sont. Ah, ici. D'accord. Non, par contre, reprendre la vie. Dépêche-toi. Alors, tu es joueur PC ou quoi? Ça, je m'en souviens plus, hein, désolé. Hein. Je suis complètement zappé. Parce que moi, principalement, je joue sur PC. Non, il n'y a rien. Alors, on va continuer, on va aller sur la mission, trouver les notes de l'agent. Voilà. Alors, regardez s'il n'y a pas des sacs éventuellement ou des coffres, on ne sait jamais. Récupère un petit peu. Alors, parti. Ah, on a la compagnie là-bas. On lui sauve. Sur PC, d'accord. Quelle question. Okay. On tire à côté, heureusement. Je suis pas génial au joystick, mais bon. Pas trop le choix. Hop. Au mauvais endroit là. Non, non, bouge. Bouge là, bouge là. Attention à ma vie. Bon, voilà, là, c'est un principe. Ma barre de vie doit remonter, je pense, non? Je sais plus. Aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. C'est pas bon. Je reste pas là. On va prendre du soin. Ouais, bah, je sais pas, ouais, ça a pas l'air ouf. Après, on est. Je suis que niveau 2, donc niveau 3, donc je pense qu'ils sont un petit peu. Peut-être. Sont réglés à mon niveau, tout simplement. Hein. C'est The Division, c'est un peu ça. Hein. Bon, peut-être c'est encore une bêta, donc ils vont peut-être améliorer par la suite la difficulté. Moi, ça me convient, personnellement, je suis pas un grand joueur. En plus, hein, moi, j'aime bien découvrir des jeux, mais bon, je suis pas un joueur extraordinaire. Hein. Je brille pas dans tous les jeux, donc. Moi, personnellement, pour l'instant, ça me convient. C'est pas trop difficile pour l'instant. Bon, j'ai eu un passage tout à l'heure avec un boss. Je sais pas si on peut appeler ça un boss. J'ai galéré. Il m'a mis 2-3 fois en PLS, malgré tout. J'ai quand même bien galéré. Mais bon, j'ai réussi à l'avoir. Mais il y a quand même une certaine difficulté. Mais c'est vrai qu'après les PNJ qu'on trouve entre deux, c'est vrai qu'ils ont pas l'air. Ils ont pas l'air vraiment bien méchants, quoi. Alors, as-tu joué quoi? Astroneur? Bon, je sais pas ce que c'est. Niveau des blocs disponibles à la base d'opération. Alors, on va aller là-bas. Et sur quoi là? Looks like you got your hands full. Good luck. Découverte des caches. D'accord. Hostile control point detected. Alors qu'est-ce qu'on a de beau ici?
Alors là, ce sont les holsters. Et là, on a des gants. Ah ouais, d'accord, c'est pour acheter, quoi. Vendre l'objet. D'accord, c'est pour les vendre. Ouais, faut que je fais surtout fasse attention à ça. Ouais. Bon, on va quitter. On va faire l'erreur. Ah ouais, ça c'est la réserve. Bon, on va regarder un coup. Il n'y a rien dans ma réserve en fait. Il n'y a rien de déposé pour l'instant. Là on a le sac à dos. Là c'est mon équipement. Nouvelle compétence disponible à la base d'opération. Ouais, donc il faut que je retourne à ma base d'opération. D'accord. Là on a un holster de niveau 3. Bon, on va le prendre tout de suite. Il n'y a pas photo. Voilà. On va prendre ça. Hop. Et là on va le démanteler. C'est quoi, c'est un survival spatial avec une petite histoire malgré que le jeu soit sorti. Il est mis à jour toutes les semaines et une bonne communauté. Non, personnellement, je connais pas du tout Nodius. Je connais pas du tout. Mais en ce moment, bon, merci de l'info. Hein, pourquoi pas, je pourrais m'y intéresser. Mais le gros souci, c'est qu'en ce moment... Il y a pas mal de jeux, il y a eu pas mal de sorties, il y a Anthem, il y a Metro Exodus, donc je suis pour l'instant sur ces jeux-là. Et puis ben, je pense que je vais partir certainement sur The Division également. Donc vu que je stream pas beaucoup, je stream pas énormément, bon, je stream pratiquement tous les jours, mais je stream plus comme avant en fait. Hein. J'ai bien ralenti, donc entre deux je ne joue pas. Le peu que je joue, bah c'est, je me mets sur Twitch, voilà. Mais entre deux, je ne joue pas au jeu, donc voilà. Il y a de quoi faire, il y a de quoi s'amuser, il y a de quoi découvrir. Donc voilà. Alors, ça, on est sûr. Un MK17. Ça a l'air pas mal, hein, parce qu'on dégueule et pas, c'est pas mauvais. Par contre, on perd en CPM et en charge, mais c'est pas très méchant, ça. On va prendre ces termes-là, du coup. Et on va... on peut pas la démanteler, par contre. Non, mais c'est bon, alors attendez. Oh. J'ai fait une erreur. What? Je pense que j'ai fait une erreur. Voilà, donc là, c'est mon arme principale et mon arme secondaire. On est d'accord, ok. Deux niveau 2. Non, c'est pas ça. Ah, tu connais le jeu? Tu connais le jeu, Megan? D'accord, non, franchement, ça me prend. Ça me dit rien du tout, personnellement. Je connais Star Citizen, il y a un jeu qui est en préparation depuis pas mal d'années. Qui se passe d'ailleurs dans l'espace. Hein, c'est. D'ailleurs, le jeu est encore en phase bêta. Je sais qu'il est pas mal, il paraît qu'il est pas mal. Il n'est pas encore sorti officiellement, mais j'en ai entendu parler. Au moment de sa sortie, je pense que je sais pas quand est-ce qu'il va sortir, mais il y a un moment qu'il est, il est en test bêta. Hein. Star Citizen. Donc ça c'est... Non, bah on est bon, il n'y a rien de particulier à faire du coup. Mais il me dit, ah oui, il faut retourner à la base d'opération pour le truc de compétences. Bon, on va le faire. On va essayer de faire ça. Ça, c'est une carte. Bon, ici, on est dans une planque, un genre de planque. Ça, c'est pour du matchmaking. On est sur quoi, là? Ok. Ok, ok. Sortie est. Ah, c'est ici. Agent in need of backup. Leaving safe area. Voilà. Alors, par rapport à la carte.
est sur un point de contrôle. Donc faut que je retourne au refuge alors, si c'est ça, si j'ai bien compris. C'est quoi ça? Un joueur local. Point de contrôle. J'ai pas, je sais pas du tout ce que c'est ça, les caches techno de techno SHD. Ça c'est nouveau, il n'y avait pas dans le premier. Je sais pas souvenir de qu'il y avait ça. Je m'en souviens plus. Bon, il est quelle heure? 18h55. On va repartir sur le... comment dire? Ah, j'arrivais pas... Le refuge, voilà. J'arrivais pas à le dire. Et puis, je pense que je vais stopper pour ce soir. Et puis... bon, il y a grande chance qu'on se retrouve demain sur The Division. On va profiter de cette bêta jusqu'au 4 mars. Je pense que vous allez certainement... Bon, j'en ferai peut-être pas... Peut-être jusqu'au 4 mars, je ne pense pas. Je repasserai peut-être un petit peu sur Anthème parce qu'il faut que j'avance dans le jeu. J'ai pas joué beaucoup non plus. Enfin, entre deux du métro, Exodus... Par contre, je me suis perdu là. 2h39 de l'année, je pensais que j'étais un peu plus. Je pensais que j'étais un petit peu plus, pratiquement 3h, mais bon, 2h39 c'est déjà pas mal. Hein. Allez, on va aller au refuge. Voilà, j'y mets un repère sur ma carte, c'est parfait, on y va. Oh, on a quoi ici? Ici c'est pareil, on va prendre ça, voilà. Radar à gauche me dit qu'il y a des ennemis. Ah, ici. Oh, le bruit de cette arme. Oh, le bruit de cette arme. On dirait que ça envoie du lourd, mais pas vraiment, quoi. Ouais, carrément. Allez. Ok. Ah, ça c'est pas malin ça. J'avais pas vu qu'il était là lui. Voilà, là je repars un peu de vie. Allez, on va pas trop traîner dans le quartier parce que... Hop. Ouais, ouais, le bruit est particulier. Ouais, après je vais me reposer, Florence. Peut-être ce soir je ferai un live, je sais pas, je sais pas encore. On va voir. Je tente très bien du Resident Evil, mais faut voir, je sais pas encore. Eh ben voilà, on est reparti sur... je sais pas. J'ai bien envie de streamer ce soir Resident Evil, et est-ce que je suis capable de le faire là, je ne sais pas. Il n'y a que mon état de forme qui va pouvoir confirmer. Et vu que là, depuis le début du live, j'ai un mal de crâne, de tête. Allez, on va les allumer, eux. Allez, boum! Allez. Oui? Qu'est-ce qu'il veut, lui? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Oh, le cri! Le cri de charge! Ah! Ouais, ça fait peur. Hein. Ça fait vachement peur. Je sais pas si tu peux récupérer du loot là-dessus ou du... Non? Même pas. Ouais, après je verrai bien. Ouais, ouais, mais gamme. Je suis trop tenté de démarrer Resident Evil aussi, donc. Voilà. Si on peut récupérer, on va regarder s'il y a des sacs.
19h, ouais, c'est une bonne heure. On va stopper. Allez, on refuge. Récupérer le monument. Ouais, bah ça, je l'ai vu tout à l'heure, ça, le théâtre. Merci, Nodes. Merci beaucoup, merci d'être passé. Ça m'a bien fait plaisir de te retrouver. Au bout de 3 ans, ça fait plaisir. C'est... Merci d'être resté fidèle à la chaîne, malgré tout. Bah, je te souhaite une bonne soirée. Et puis, au plaisir de se retrouver, on va dire, j'arrive à le dire, sur Twitch. Bonne soirée, bon week-end et à bientôt. Alors ici, j'ai un point de compétence, il me semble que j'ai un point de compétence à récupérer. Ouais, nouveau service réserve, c'est quoi ça? Ouais, merci d'être passé en tout cas. Hop. C'est quoi là? Alors ici, il faut aller là. Night Club, c'est joli ici. Ah non, c'est moins joli par contre là. Ça présente pas aussi bien. Non mais attendez, j'essaie de voir un petit peu pour la caisse là. Cette fameuse caisse, la caisse qui est de couleur orange, ça c'est quoi ça? Poste de matchmaking. Ouais, ça c'est pour jouer avec d'autres en ligne ça, ouais je pense. Je sais plus. Ouais, je vais arriver à me perdre. Over here, agent. Ici. Est-ce que c'est le cache projet? Il y aura de quoi faire quand même, hein, vous voyez. Tout le contenu de la map avec les dark zones. 3 dark zones. Dans le premier, il y en avait 2. Arnaud m'a dit qu'il y en avait 2. Je m'en souviens plus vraiment. Et là, ils ont rajouté une dark zone en plus. Par contre, la dark zone, ça, c'est autre chose. Hein. Là, c'est vraiment les joueurs qui. Les gens, ils vont jouer à fond dans le mode histoire pour prendre du niveau. Et après, ils vont partir en dark zone hein, pour. Pour looter un maximum quoi, voilà, monter le plus haut possible leur level. Ben bon, moi j'en ai fait très peu de la Dark Zone, hein. J'en ai fait très peu, vu mon niveau de joueur, je me suis vite retrouvé à la ramasse quoi. 6000 en danger, bah tant pis, si en danger, je peux pas ressortir exprès. Faut que je regarde un coup là, quelque chose, cette caisse orange, ce que c'est ça. Ah voilà, le projet. Ouais. Ça, ce sont les schémas. Ça fonctionne ça. Ah oui, voir donc. Donner la totalité du rebut. Ah, moi je l'ai fait tout à l'heure ça. On verra plus tard. Ah, c'est ici. Ah voilà, c'est ma réserve. Voilà. Mais ouais, mais il n'y a rien dans cette réserve. Ah ouais, je m'en doutais bien. Alors, nouvelle compétence disponible à la base d'opération. Ah, je suis pas au bon endroit en fait. La base d'opération, c'est où ça? Base d'opération. La Maison Blanche, peut-être, certainement, c'est ça.
Base d'opération, voilà, oui. Ah, d'accord, il fallait que je retourne à la Maison Blanche. Allez, on va y aller vite fait. Et puis, si c'est pas trop loin, on y va vite fait, puis après j'arrête. C'est promis, j'arrête. Juste pour voir, débloquer. Allez, c'est parti. Ah ouais, il y a une corde ici pour descendre. Ah ouais, c'est vrai, j'ai oublié. Cette fameuse corde qu'il fallait déployer également. On va pouvoir sortir ici ou pas? Je sais pas si on peut sortir là. Je pense pas. Non, on peut pas. C'est pas la sortie ça. Ce n'est pas la sortie, donc il faut aller là-bas. Ici. J'ai pas mis de repère. Si, j'allais dire. Oh, je m'occupe pas de ce qui se passe dans la rue, hein. Je vais jusque la base, hein. Enfin, jusqu'à la base d'opération. Voilà. Je vais jusque là-bas, je m'occupe pas des ennemis. Sinon, je vais pas pouvoir stopper le jeu. Cours Forest. C'est dommage qu'on peut pas utiliser les voitures, mais ils fonctionnent plus. Ils sont tous cassés. Qu'est-ce qu'il veut, lui? J'ai dit que je m'en occupais pas. Bon, il est sur ma route, donc forcément, faut les tuer quand même. Ça me fait un peu... Ça me permet d'avoir un peu plus d'XP. Tiens, t'es mort, voilà, on n'en parle plus. Voilà. Tout ce que je vais croiser sur ma route, je les allume. Hein. Pourtant, j'avais dit que j'allais pas m'en occuper. Hein. Non, mais ça va aller vite. Ah, je me prends le pneu. Alors, un gros souci, encore une fois, hein, c'est ce fameux stick gauche. Faut appuyer sur le stick gauche pour pouvoir courir, et ça me pénalise. Je trouve que les sticks sur la Nacon sont très difficiles. Ça me fait énormément de mal au niveau de la main. Ça, c'est une galère. Ouais, je sais pas si on peut pas utiliser notre touche. Ah bah oui, il y a cette touche là. Ah bah ça va mieux. Ah ça va, il y a cette touche là, ça va aller mieux. On a du monde là. Là on a du monde, je crois. Non? Oui, on a du monde. Hein. On se promène comme ça dans la rue, allez vas-y. Allez, on les allume. Ah mais couvre-toi si. Mets-toi couvert quand même. Ça c'est pas très malin ça. Ouais. Comment ça se fait que tu m'as jeté une grenade toi? Voilà. Ah bah ça va, on récupère un petit peu une trousse de soins ici, nickel. On a rien. Non, on a rien. Allez, on y va. Ah, même avec la deuxième touche secondaire, j'ai du mal. Ah, pleuve. Problème avec ses mains, là. Il faudra que j'investisse dans un joystick, mais je sais pas. Je sais pas comment je vais faire. Oh. Je t'avais pas vu, mais. Je t'avais pas vu, toi. Ouais, bien sûr, grenade, bien sûr. Grenade. Allez, on prend tout. On lui vide les poches. Ok. Salut Corentin. Salut, bienvenue. Passe quoi là? Ah ouais, utiliser le drone. Parce
que j'ai utilisé, c'était pas un drone, c'était pas le drone, ça c'est. Non. J'ai plus mon drone apparemment, on dirait. Et tu tires de où toi? Ah, il est là-bas. Il est là-bas. Incoming backup request. Allez. Nouveau déblocage de compétences, vous voyez, hein, ça a quand même son utilité de les affronter parce que apparemment j'ai débloqué une compétence disponible à la base. Bah non, c'était ça. C'est, d'ailleurs, je vais là-bas pour ça. Donc je confonds, c'est pas ça. Ah, j'ai du mal à appuyer sur le stick gauche, c'est une galère. C'est une galère ce truc. Je vais dire à Nakon qu'il devrait faire les sticks beaucoup plus souples. Parce que celui-là est hyper dur. GG pour ton level, Corentin. Ouais, j'ai vu ta photo. Y'a pas de soucis, Corentin. J'ai vu. Allez, cours Forest. Là, on est bon, on arrive à la base. Et puis, on va stopper. On va stopper pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, le jeu vous plaît. Vous avez bien apprécié le jeu. Ouais, c'est pas la peine de demander. Moi, j'aime bien The Division. Donc, je suis bien content d'y avoir joué. Ah, voilà. Vous pouvez aussi fabriquer des objets sur l'établi de base. Pour fabriquer un objet, vous aurez besoin du schéma correspondant. Ouais, forcément, enfin un schéma. Given our situation, we need the help of the settlements, but they can't do much if they're struggling to survive. So see what you can do to take some pressure off. But don't forget that we have to get the Shade Network back to full strength. In a lot of places, the division has been the only thing holding people together. But when DC is the priority, most agents are completely cut off. They're not going to last long without support. Déblocage des compétences possibles auprès de l'intendant. Monsieur l'intendant, tu es où? Non, c'est pas ça. Je verrai pas là-dedans. Forcément. Whatever you need, agent. I've got it. Come take a look. Pas ça. Ouais, pas trop mal. Bon, après, c'est du PVP, quoi. Hein. Voilà, hein. C'est beaucoup du PVP, hein. The Division, c'est ça. Hein. Serveur de clan hors ligne. Pour aimer le principe du jeu, quoi. Tu vois d'un point à un autre, tout ça pour monter en level, ton loot, tu veux améliorer ton loot. Crafter, tout ça, voilà. Non, mais l'intendant, je sais... Mais non, on ferme pas la porte. Bon, je suis pas au bon endroit. Bon, c'est pas grave. J'irai voir l'intendant plus tard. Voilà les amis, allez, je stoppe pour aujourd'hui. Est-ce qu'on doit sauvegarder? Est-ce qu'on peut sauvegarder ou pas? Je sais pas du tout. Voilà, merci pour votre présence. Merci beaucoup. J'espère que ça vous a plu. Je pense que oui. Je vous souhaite une bonne soirée surtout. Bon appétit. Et puis, ben, on se dit peut-être à demain. Je dis bien peut-être. Hein. Tout dépendra de mon état de forme. C'est surtout ça. Je peux pas trop prévoir à l'avance, hein, voilà. Sinon, bah, on se retrouve à partir de... Alors, lundi, je réfléchis. Si j'ai pas quelque chose de prévu. Je sais pas du tout. Mais bon, je vous tiendrai informé via Twitter si je fais un live ou pas. Donc, on va essayer de continuer un petit peu The Division jusqu'au 4. Donc, le 4, c'est jusque... Jusque lundi en plus, ouais, jusque lundi, ouais, donc voilà. Ouais, certainement, si je fais un live, ça sera sur The Division, à mon avis. Voilà, grande chance. Et puis, à partir de mardi, on reprendra nos habitudes sur le jeu Anthem, Metro Exodus et Resident Evil. On essaiera de voir pour faire un peu de Resident Evil au soir. Parce que c'est mieux de faire ça le soir que dans l'après-midi. Voilà. Allez, bisous à tous. Je vous souhaite bonne soirée et on se dit à bientôt. Ciao, ciao.
À bientôt.